yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux sociaux de Web Girondin TV, bienvenue à tous les supporters et toutes les supportrices des Girondins de Bordeaux et aux fans de foot. Bienvenue dans l'émission qui essaye d'analyser l'actualité des Marines et Blancs. J'espère que vous avez passé un bon mercredi et que le moral résiste malgré la situation de notre club. Malgré tout, je suis très content d'être avec vous et de vous retrouver, même si c'est vrai que le cœur est meurtri, le coup est dur, mais on est là. Je vous présente l'équipe du Talk ce soir avec les habitués tout d'abord. Monsieur Jonathan D'Agostino, salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. Monsieur Gino Forte. Salut Nico et salut à tous. Monsieur Patrick Gomez, salut. Monsieur salut Nico, Gomésien, salut. Le Gomésien qui est là. Il faudra qu'un jour qu'on définisse ce que c'est quand même. Mais je sais pas, c'est toi. Ouais, d'accord. On avait réclamé Patrick en tout cas lundi, on nous réclamait sur le chat Patrick. Patrick, ah, il est là, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas. On n'attend pas Patrick. Voilà, on t'a attendu ce soir. Monsieur Laurent Crossi de l'équipe qui est là. Salut Laurent, bienvenue à toi également. Bonsoir à tous, merci de nous inviter. Et merci à toi d'être là, ça fait un petit moment que tu n'étais pas venu. Et j'accueille tout de suite monsieur Samuel Vasselin qui est là. Salut Samuel, bienvenue à toi. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir Samuel. Merci Samir pour le courage et le soutien. Je continue la présentation puisque c'est un talk qu'on fait ce soir, messieurs. C'est un talk exceptionnel. On est mercredi. On se serait bien passé de faire cette émission, mais l'actualité est là. Et comme on est un média qui analyse l'actualité et qui la commente, des Girondins de Bordeaux, on fait cette émission. Je rappelle qu'on est diffusé en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et sur webgirondin.com. On pense à s'abonner aux réseaux sociaux, à liker, à partager. Parce qu'on sera toujours là, et oui, vous posez la question, oui, on sera toujours là. Il y a 21 ans que le Girondin existe, on ne va pas s'arrêter pour ça. Si vous êtes sur Facebook, venez nous rejoindre sur YouTube. Merci de nous suivre. On est au 8000, hop, je bafouille, 8740 abonnés. On voulait atteindre les 8750. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Un petit like en plus, c'est gratuit. Je remercie les 227 sociaux qui sont là, qui nous soutiennent. Et le soutien est d'autant plus important aujourd'hui, je vous le dis, parce qu'on va continuer à faire vivre cette chaîne et faire vivre ce média et l'actualité vidéo pendant tout l'été. Donc, et même après, quel que soit le niveau auquel se trouvent les Girondins de Bordeaux. Donc ça continuera à vivre, c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Et votre soutien, c'est aussi notre indépendance. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça permet d'avoir une liberté de parole. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. On aura tout à l'heure Antoine qui viendra nous faire un coucou à 21h, Antoine Chouinard, et peut-être Secta qui viendra nous faire un coucou pour parler la chanson, mais pour avoir son avis. On l'a beaucoup vu cette saison sur le média. Je vous présente, messieurs, le sommaire de cette émission. Il est 20h06. Alors, le sommaire, il est assez simple. Alors, ce n'est pas Eugénie Le Sommer, j'ai toujours envie de faire cette blague, je suis désolé. Avec l'euro féminin qui commence, c'était bien. Voilà, ouais, elle ne le fait pas en plus, elle n'est pas sélectionnée. Il y a des Bordelaises hein, à 7 euros. Des anciennes Bordelaises, oui. Ouais. La valise, elle est toujours sous contrat, je suis désolé. Le club n'est pas encore liquidé. Ouais, ouais. Bon, on en parle. C'est vrai. Voilà, elle est toujours sous contrat. Il y a Mylène Chavas aussi. Allez, retour, première partie, on fera retour sur la décision de la commission d'appel. On prendra vos réactions, messieurs, celle de Laurent, avec des analyses. On reviendra après. Il y a des informations qui sont sorties, donc on sait quelques indiscrétions qui ont été publiées et d'autres choses. La réaction de François Grenet, qu'on accueillera à 20h15 en direct,
joueur qu'on ne présente plus, champion de France 99, formé au club, attaché à cette identité des Girondins de Bordeaux. Il a accepté de venir nous faire un coucou. On recevra ensuite à 20h35 Guillaume Duriatti, que vous avez déjà vu dans sa casquette de scout, mais vous le saviez, il est aussi impliqué aux côtés de Bruno Fievé dans son projet. Il nous dira ce qu'ils ont fait, sur quoi porter les discussions ces derniers jours entre Bruno Fievé et Gérard Lopez, puisqu'on se pose la question. Donc, on va chercher à savoir. Il a accepté de venir pour nous donner des réponses. Et ensuite, on regardera les scénarios possibles de cette situation des Girondins de Bordeaux. Messieurs, est-ce que ça vous convient ? Parfait. Ça va ? Bon, on va faire ça ensemble. Je surveille la connexion de François Grenet. On a 7 minutes, peut-être 8, selon à quel moment il se connecte. Mais si on va faire un tour de table, la décision des Girondins, elle est tombée hier. Bordeaux confirmé, rétrogradé en National 1. Rétrogradation synonyme, d'après tous les experts, les médias, synonyme de liquidation de dépôt de bilan, puisque Bordeaux ne pourrait pas vivre en National 1. Et ce qui veut dire redémarrage en amateur, en National 3. Je commence par notre invité, Laurent. Ta réaction, tu es au-delà d'être journaliste, aussi un grand supporter des Girondins de Bordeaux. Ouais, quelle est ta réaction ? Est-ce que tu t'y attendais ? Tu as la parole. Si on lit les textes, plutôt ce qui est sorti samedi sur l'accord entre King Street et Gérard Lopez, lui-même a utilisé une expression il n'y a pas si longtemps que ça, de jeu d'écriture. Quand on analyse un tout petit peu ça, on voit juste un jeu d'écriture. Il n'y a pas de recapitalisation, il y a juste un abandon de la dette qui est transféré à la holding. Il y a, on va remettre une ligne de crédit de 14 millions d'euros si on n'arrive pas à vendre des joueurs. J'ai échangé avec pas mal de gens hier pendant l'audition, qui a quand même duré très longtemps, hein, 2h30 quasiment, il ne faut pas l'oublier. Si la logique financière était respectée, oui, on pouvait s'attendre à ça. La seule chose, à mon avis, qui pouvait sauver les Girondins, c'est que la 3F ne veuille pas être les fossoyeurs. Or là, la 3F envoyait un signal fort. La commission d'appel, la 3F, envoyait un signal fort. Pas de passe, pas de jeu d'écriture. On veut des comptes sur ce qui commence à sortir dans la presse un peu partout. Les 40 millions d'euros, ces fameux 40 millions d'euros, il fallait qu'ils soient sur un compte. Et pas, on va faire une ligne de prêt supplémentaire auprès de Fortress de 14 millions. On attend Tchouaméni, on attend la ligne de la société commerciale de la Ligue. Voilà. Je pense que l'an dernier, ils ont validé un plan avec beaucoup d'emprunts, beaucoup de dettes à nouveau. Cette année, ils n'ont pas voulu aller dans cette logique-là. Donc pour moi, oui, c'est logique. Et ça ne m'a pas surpris hier. Voilà, tout simplement. Pour faire court, ça m'a pas surpris. Et j'étais pas le seul à ne pas être surpris. Ouais. Alors, on a fait une émission lundi. C'est vrai qu'après les explications de David, on se disait oulala, les 40 millions, ils n'y étaient pas quoi. Non. Voilà, il manquait ces 40 millions d'euros sur un compte. Bordeaux n'a pas apporté assez de garanties financières pour passer cette étape. Samuel, ta réaction ? Est-ce que tu t'y attendais ? Est-ce que tu es abattu ? Est-ce que tu... Non, sincèrement, je pensais que le deuxième passage serait le bon, ne serait-ce parce que on connaît notre Gérard Majax Lopez national. Il avait l'air d'avoir réussi à avoir tous les accords et fait tous les tours de passe-passe pour arriver à embobiner la DNCG. En tout cas, c'était ce que j'avais compris ces derniers jours. Force est de constater qu'ils n'ont pas été dupes, comme une partie des supporters bordelais. Hier soir, il y a eu. Je disais sur Twitter, j'avais pas vraiment de mots, d'émotions assez fortes qui me venaient, puisque c'était. J'étais un peu stoïque et avec du recul, oui, il y a un sentiment d'immense déception. J'ai un peu le sentiment comme si quelqu'un, alors c'est que du foot, hein, il faut pas l'oublier, mine de rien, même si on sait que la disparition de Bordeaux, ce sera plus que du foot, notamment pour une partie pour une grande majorité de salariés du club notamment, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un aujourd'hui, de me dire qu'il y a un des piliers entre guillemets de nos vies à tous qui s'est effondré. Et donc
voilà, il y a vraiment ce sentiment d'un immense gâchis, d'un, comme le disait Laurent, d'un gâchis aussi qui, enfin, d'un événement qu'on commençait à sentir depuis plusieurs moments, mais qu'on voulait depuis pas voir depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, mais qu'on ne voulait pas imaginer aussi avec une finalité aussi désastreuse. Voilà, il y a beaucoup de sentiments partagés aujourd'hui, mais il y a avant tout voilà, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose de très très cher et cette, voilà, ce sentiment aussi que beaucoup de monde vont être impactés par, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant, par ce choix, par cette décision, par cette sentence. Et c'est très compliqué à vivre, c'est très dur de se projeter. Et je dois dire que c'est pas un reproche, hein, que je fais au club, loin de là, mais le fait que le club soit un peu dans le déni et s'accroche à tout pour pouvoir encore espérer fait que tu te dis ok, on est mort, mais peut-être qu'en fait il y aura peut-être un miracle. Et donc c'est encore plus compliqué comme situation à vivre, parce que tu dois accepter quelque part ta mort en te disant que peut-être tu vas, comme le petit Jésus, ressusciter un moment, quoi. Moi j'avoue que c'est, je suis pas très très fan de cette position là et donc j'attends, c'est ouf à dire, mais j'attends que la sanction soit, alors si le CNOSF contredit et on en parlera plus tard, mais tant mieux. Mais moi, j'attends surtout que tout soit validé, histoire qu'on arrête encore d'avoir des minces, oui, espoirs qui... Alors, on est encore dans l'attente, en fait. Ben, c'est ça, en fait. On est encore dans l'attente. Et cette attente-là, ces espoirs-là, sincèrement, moi, depuis plusieurs semaines, ils me rongent clairement. Et voilà. Et j'ai un peu l'impression que le fait qu'il y ait encore des recours fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans un espèce de déni où on veut surtout faire de l'émotion parce qu'on est triste, mais la décision finale, elle n'est malheureusement pas encore tombée. Et ça, j'aimerais que ce soit le plus rapidement possible, même si c'est négatif. Merci, Samuel. Monsieur Gino Forte, ta réaction, retour sur la décision après l'émission de lundi. Est-ce qu'on avait espoir quand même? Parce qu'on veut toujours espérer. Mmh. C'est un peu dans la nature du supporter de vouloir espérer. Oui. Et comment, Gino, après cette décision? Moi, c'était un grand choc. Je l'avoue, je pensais que ça pourrait passer, encore une fois. On en avait parlé lundi, voilà, que les écritures de Gérard Lopez et ses petits tours de passe-passe pourraient nous permettre de passer au moins cette étape du rattrapage. Et j'avoue que c'était très, très rude sur le coup et la soirée, quoi. On a pu échanger avec pas mal de supporters, notamment, et je salue l'initiative d'Éric Dagran qui a fait quelque chose de plutôt sympathique et où on a pu parler un peu. Et je trouve que voilà, quand tu es supporter et comme on l'en est, avoir ce sentiment que tout peut s'effondrer du jour au lendemain, un peu comme ça se passe pour nous, de plus aller au stade, avoir son club qui est au plus bas niveau, ou pas loin en tout cas au niveau amateur, c'est quand même assez dramatique. Et moi, j'avoue que je l'ai très, très, très mal perçu hier. Je voulais peut-être pas l'accepter quelque part, que ça pouvait être plausible. Et j'arrive même pas encore à être dans ce sentiment de réalité, parce que pour moi, me dire que les Girondins ne seront plus au niveau professionnel, en arriver là, sincèrement, c'est une onde de choc énorme pour moi. Ouais, on réalise pas. Moi aussi, moi j'étais sonné. Hein. Même si on prend toujours du recul, quand tu as la décision, moi j'ai eu le cœur qui palpitait. Quoi. Ouais. C'était trois heures sonné. Elle est tombée très vite. Ils sont sortis. Et ça n'a pas duré longtemps. Plus, moi j'étais sur le site de la FFF, je rafraîchissais. Oh, je rafraîchis. Il y avait la décision. Je regarde, confirmé. Alors là. Ouais. Moi, j'étais au travail et j'étais en train de faire de préparer mes journaux, donc d'info générale, hein, donc il y a tout. Et donc, je reçois toutes les alertes de l'AFP et là, d'un coup, je les ouvre toutes pour savoir si c'est des choses importantes ou pas. Et là, d'un coup, j'ouvre une alerte et je vois ça. Et mon collègue qui était à côté de moi, il m'a dit pendant une heure, tu t'es devenu livide et t'as plus parlé. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte parce que je pense, voilà, tout le monde a vécu ce genre de situation, avec des situations même plus graves. Mais quand c'est un tel choc... C'est un tel choc, en fait, c'est comme si ton esprit sortait de ton corps et était abasourdi, était choqué, quoi. Et c'est vrai que ce sentiment-là, il traîne encore un peu, et c'est ça qui est vraiment difficile à vivre. Bon, messieurs Patrick et Joe, je suis désolé, on va accueillir François Grenet tout de suite
pourrez échanger avec lui. On aura votre réaction après. Alors, il est connecté. Alors, il ne peut pas mettre sa caméra, il m'a dit. Mais ce n'est pas grave, c'est lui. On va reconnaître sa voix. On va reconnaître sa voix. Il est là. Ouais. Bonsoir, François, et bienvenue. J'avais oublié que j'étais invité à dîner. Donc, désolé, les gars, je ne peux pas. Je me suis isolé. Je suis dehors. Il fait bon, les oiseaux chantent. Mais on a le cœur qui saigne, les amis. Donc, c'est comme ça. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir réagir. Parce que pour nous, d'avoir un joueur, c'est aussi important. On est supporter, mais on aime bien partager ce qu'on fait et les émissions avec des joueurs. Première question, François, quelle est ta réaction après la décision d'hier? C'est de la désillusion, du désespoir. Je sais pas, je faisais le parallèle avec la décision sportive. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on a eu une chance, et même si on savait qu'elle était vraiment infime, et je pense qu'on s'y est tous inconsciemment accrochés. Et quand le couperet tombe, c'est quand même assez violent. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je n'étais pas très confiant par rapport à la DNCG. Mais quand le couperet tombe, c'est la réalité qui est en face. C'est dur. C'est dur, c'est violent, clairement, et même si on s'y attend, si on s'y prépare plus ou moins, c'est une forme de deuil, pardon, hein. J'étais à l'enterrement ce matin, donc je peux en parler à l'aise, c'est une forme de deuil quand même, voilà. C'est vrai que j'ai utilisé ce mot avec Gino, je crois qu'on discutait, on se disait au téléphone hier ou aujourd'hui que c'était un peu, fallait faire son deuil. Ouais, mais c'est ça. Hein. Un peu, même si c'est pas officiel, hein. Et même si c'est que du foot, il y a beaucoup de gens qui vous diront, notamment ceux qui suivent pas tout, que voilà, il faut aussi savoir mettre les choses à sur une échelle quand même différente. Mais c'est vrai que tout en étant conscient qu'aujourd'hui, entre guillemets, désolé de dire ça, mais je préfère perdre mon club que perdre quelqu'un de ma famille ou de proche de moi, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai le même sentiment que... alors, j'ai eu la chance de ne pas perdre beaucoup de monde autour de moi au fur et à mesure de ma vie pour l'instant. Mais les quelques personnes que j'ai perdues, ça m'a fait quasiment le même effet. Et pourtant, c'est pas officiel. Mais bon, parce qu'il y a toujours un infime espoir. Est-ce que ça t'a surpris, François ? On t'a un petit peu répondu parce que tu t'y attendais. Non, je l'ai dit, c'est mathématique. On a un heureux élu, un sauveur qui est l'heureux élu parce qu'il il prend tout comme c'est, il ne négocie rien. Et il suffit pas, il faut être expert comptable et avoir fait match-up pour se dire que ça sera compliqué, qui plus est. Quand l'espoir qu'ils avaient sûrement au fond d'eux de faire une saison sportive correcte, c'est pas du tout le cas. Donc non, après, si le sauveur il veut être, il y a 30 ou 40 millions à mettre de sa poche. Alors qu'il le fasse s'il veut sauver le club, sinon, qu'il s'efface. C'est quoi la suite maintenant, en tant que comment tu vois la suite en tant qu'ancien joueur? Déjà, est-ce que tu as échangé avec d'autres anciens joueurs? Est-ce que vous vous êtes appelé comme nous on peut le faire entre supporters? On est, comme tu l'as dit, on est des anciens joueurs, donc on est des supporters aujourd'hui. Si ce n'est qu'on a été acteurs et salariés, j'en profite là parce que je parle de salariés, donc forcément il y en a de moins en moins. Il en reste très peu, mais il y en a que je connais encore, qui étaient là à mon époque. Et inutile de vous dire que pour eux, c'est la double peine qui se profile. Et donc j'ai envie de parler de penser à eux. Les joueurs, les anciens joueurs, on a malheureusement été très peu sollicités, si ce n'est pour s'acheter... une image, une virginité à un moment donné, et personne n'a répondu présent. Je pense que c'est peut-être le moment de se manifester concrètement, et je doute pas que qu'il y aura beaucoup de joueurs sensibles à tout ce qui se passe, qui voudront à un moment donné se manifester sous quelque forme que ce soit, mais je pense qu'il faut le structurer. Et croyez-moi, je personnellement, je
comment dire, je sais pas si on serait à l'initiative, mais j'en ferai partie en tout cas. Et bien sûr qu'on échange, bien sûr que qu'on a de la peine et que qu'on compte bien. Comment dire ça, je sais pas, avoir notre mot à dire et plus que ça, avoir notre rôle à jouer. Voilà. Mais est-ce que, François, je vous coupe, mais quand vous parlez de rôle à jouer, vous parlez de rôle à jouer en L2, en National ou éventuellement en National 3 ? Mais écoute, là, par rapport à ça, Laurent, on écoute tout le monde, on est dans l'attente et on subit. Si nous, la légitimité qu'on a, et je pense, c'est d'être amoureux du club, d'en avoir été des acteurs et d'en avoir été des acteurs surtout à une certaine époque ou une époque certaine. Voilà. Après, à voir, parce qu'on est, je te dis, hein, je parle là le cœur et spontanément, comme toujours, et on est peut-être dans des balbutiements à la jeunesse de quelque chose. Donc, j'ai envie de te dire que, mais il y a des propriétaires actuels qui font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent pour essayer de préserver le peu qui reste du club qu'on a aimé et qu'on a connu à une certaine période. Donc voilà, donc il est hors de question personnellement, et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour les échanges par rapport aux échanges que j'ai, il sera hors de question de travailler ou de se manifester par rapport aux propriétaires et aux dirigeants actuels, parce qu'on est simplement qu'ils ne sont pas les seuls, mais que depuis pas mal de temps, voilà, s'il y avait eu un tuto ou des, comme je dis, ou un carnet avec tout ce qu'il ne fallait pas faire, je crois que toutes les cases ont été cochées. Et on a humblement, je pense, envie de remettre l'église au centre du village, voilà, après, avec dans nos limites de connaissances, de compétences. Mais je pense que on a des choses à dire, des témoignages à donner. Si on peut aider à un moment donné, selon les personnes qui seront susceptibles de d'être impliquées dans le club, voilà, ce sera à nous de faire en sorte de. Jonathan, tu as une question pour François qui est avec nous encore 5 minutes. Une question, non, je pense qu'il a, il a à peu près tout dit concrètement par rapport à ça. Maintenant, il est déjà passé dans l'émission, on avait échangé effectivement à ce sujet, on connaît son point de vue de toute façon par rapport à la direction actuelle, que je ne peux que partager. Mais on a l'impression, enfin je ne sais pas ce que tu en penses François, mais j'ai l'impression que les Girondins de Bordeaux sont la première vraie victime collatérale, un petit peu du mélange du foot business, on va dire, et de tout ce qui s'est passé depuis le Covid avec les droits télé, etc. et tout, qui ont malheureusement merdé. On a l'impression que les Girondins de Bordeaux sont la première, peut-être la seule, je l'espère, mais en tout cas, sont la première vraie victime de, entre guillemets, de tout ce qui va mal dans le foot. J'ai cette sensation-là à l'heure actuelle, que c'est une victime collatérale du foot business, malheureusement. Voilà, mais, je sais pas ce que tu en penses. Mais on n'a pas Oui. Ouais, mais enfin, après, il y a d'autres clubs qui sont dans le même cas que nous et qui s'en sortent pas mal. Je vais te prendre le plus proche Oiser. On se croise. On n'est peut-être pas prêt de se recroiser, malheureusement. Mais je prends de Toulouse, ces Américains qui ont repris le club, entre guillemets, enfin, voilà, qui sont propriétaires du club. Mais eux, on le mérite. On n'a pas eu cette chance-là, malheureusement, de s'appuyer sur des gens ou des réseaux, puisqu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup plus cohérent et surtout compétent que les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est pas les nôtres parce qu'on les aurait jamais, cautionné. Voilà, le JACP, Lopez, leur réseau, c'est effectivement, là je te rejoins, c'est tout ce qu'on veut pas dans le football. Malheureusement, les Américains qui ont racheté le club à M6 se sont appuyés sur des réseaux. Comment dire ça, des réseaux minables. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, bon, voilà, c'est, ouais. C'est... Non, mais, ouais. Voilà. T'évites de dire d'autres mots. Mmh. Ou... Voilà, oui, on comprend. Parce comprend. Que dans la tristesse, il y a la colère, la frustration. On comprend. Et bien sûr, de une forme de colère. Voilà. Ouais. Patrick, ouais. Tu
tu n'es pas exprimé, tu veux réagir là à ce que dit François. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir son témoignage de joueur. Oui. Qui a passé plusieurs années au club, nombreuses années. Nombreuses années, oui, avec du caractère. Donc, parce que moi, je me souviens, là, juste la petite anecdote, je fais très vite, mais pour libérer François rapidement. Mais moi, la première image, quand on parle de François Grenet, c'est Bordeaux-Milan 96, quand il rentre, je crois que c'est la 60e, 62e, et 5 minutes après, il s'embrouille avec De Sailly. Il fallait quand même avoir du cran à l'époque pour aller chercher De Sailly par le callback. Ouais, j'ai plein de taquets d'ailleurs. Voilà. mais voilà, j'en souviens parce que j'étais au stade et que je ne sais plus qui était à côté qui m'a dit il a des 1-1 ce jeune. Donc je ne sais plus si c'était un oncle à moi ou quoi. Enfin voilà, ça m'avait fait marrer. Bon, bref. Non, après, c'est plus un vœu pieux ou utopique. Ce que j'aimerais, en tout cas, quelle que soit la division dans laquelle on évoluera, c'est que chacun un peu retrouve sa place dans ce club, parce que là, c'est du tout et du n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Et on entend souvent les anciens joueurs, enfin, on entend souvent plutôt des gens demander aux anciens joueurs de reprendre le club, de ceci, de cela. Je ne connais pas le patrimoine de chacun de nos anciens joueurs, mais je ne suis pas sûr quand même qu'ils aient 40 millions à perdre pour sauver le club. Donc ça, je pense que déjà, il faut arrêter. Par contre, dans le futur, ce que j'aimerais, c'est que les anciens comme François, comme Lilian Lasland, comme d'autres, qui ont envie de s'investir, aient la place de faire respecter le sportif. C'est-à-dire qu'il y ait une institution FCGB ou Ayant qui soit incarnée par des valeurs d'anciens joueurs, comme on peut le voir dans d'autres clubs, et que tout ce qui est dans le sportif, dans le vestiaire, dans le château, etc., ne concerne pas les supporters. Et les réseaux sociaux font beaucoup trop de mal à tous les clubs à cause de ça. On est aussi là pour encourager, pour avoir des infos, pour connaître des anecdotes, pour ce genre de choses. Mais j'aimerais que, voilà, dans le futur, il y ait des garants de ce qui se passe en interne et réglé par un François Grenet qui, lui, va aller dans le vestiaire avec la légitimité, entre guillemets, du peuple bordelais pour aller dire à un mec qui est en train de déconner, pour aller dire à des joueurs qui sont en train de faire n'importe quoi avec le club, pour leur expliquer à certains ce que c'est que le scapulaire, pour ne pas se retrouver avec des conférences de presse lunaires, pour ne pas se retrouver avec tout ce qu'on a vu. Voilà. Mais déjà, peut-être, tu sais, Patrick, je pense que plutôt que de corriger les joueurs, je pense que déjà, dans le profil que tu vas rechercher et qui doit porter le maillot des Girondins, tu dois peser ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que ce serait encore mieux si on avait dans le profil des gens qu'on a amené à recruter pour porter ce maillot. Donc, ils doivent être, on ne peut plus fier. C'est dans les profils, tu recrutes des joueurs, mais tu recrutes aussi des hommes. Des tempéraments, des personnalités. Et voilà, et les générations évoluent, on le sait. On a tous peut-être autour du micro, et père de famille, etc. On doit s'adapter. Mais comme je dis toujours, je fais souvent référence par rapport à ça, au rugby, parce que moi j'ai ces valeurs-là. J'ai fait du foot par défaut presque. Hein, mais voilà, il y a les fondamentaux, il ne faut jamais les bégayer. Voilà. À partir du moment où tu les bégayes, tu te fais taper, voilà, tu t'es sanctionné. Et malheureusement, c'est le cas, on y est. Voilà. Bon, un dernier mot, Gino. Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Patrick et sur ce que nous a dit Lilian Lasland sur RMC quand même, hier. Quand Lilian Lasland arrive à dire qu'il n'a pas accès au Ayant, mais moi, ça me dégoûte. Mais moi, ça me dégoûte. Lilian Lasland, c'est l'un des mecs qui a fait que j'ai aimé ce club avec ta génération, François. Et cette légende du club, et je pèse mes mots, on lui refuse l'accès. Il veut bosser avec des gamins de 13 à 19 ans, les entraîner pendant 6 mois. Tu vois, et on n'arrive pas à se rendre compte à qui on parle et les fondamentaux, le respect, l'héritage qu'on a dans ce club. Mais ces gens-là, en fait, ils ont continué le processus des Américains. C'est ça qui me dérange. Bien sûr, c'est pas forcément dans. Comment dire, j'aime bien les expressions aussi. J'aime le rugby, j'aime bien les expressions. C'est pas forcément dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, certes. Mais je reviens aux fondamentaux. Et c'est un exemple tellement révélateur. Voilà, il y a d'autres faits matérialisés. La mise de côté de Mathieu Chalmet, la dernière, l'éviction de Yarrow, à croire que ces gens-là ne veulent pas de témoins du passé, ils surtout ne veulent pas de témoins de leur façon de faire, je pense, tu vois.
Ils veulent travailler en vase clos parce que quand on a les choses à cacher, c'est jamais très. C'est jamais très. Ça questionne, c'est clair. Voilà, voilà. Mais voilà, donc. Et surtout pour ce résultat-là, encore une fois, moi j'ai toujours été assez. C'est mon côté nostalgique, mais les anciens, que ce soit les joueurs ou dans le staff, moi j'ai toujours été assez pour, à condition qu'ils soient compétents. Aujourd'hui, on les vire en disant qu'ils sont pas compétents. Moi, je veux bien entendre, mais ils sont virés par des mecs qui eux-mêmes sont incompétents et qui ont fait couler le club par leurs choix sportifs et administratifs. Donc, en fait, moi, j'aurais préféré à la limite me casser la gueule, mais avec des mecs que j'aime et qui sont des légendes du club, plutôt que me casser la gueule avec des mecs qui, en fait, nous expliquent comment ça marche un club de foot, mais qui, à part, parce que sincèrement, à un moment donné, on va le dire, parce qu'on a fait, on a été gentil pendant quelques mois, mais à part avoir sur un coup de chance, réussir à faire quelque chose avec Lille, et encore, Lille était pas loin d'être le Bordeaux en 2017. S'est terminé sans eux. Ces mecs-là n'ont pas de référence aujourd'hui au niveau. Donc, qu'on dégage les anciens en disant qu'ils sont pas compétents, moi j'estime qu'être un ancien, c'est pas une compétence. Mais si c'est pour avoir des mecs qui ne le sont pas, je préfère au moins avoir des mecs qui savent où ils sont et qui vont bien bosser. Tu as raison, la compétence, comme la légitimité, ne s'achète pas. Un ancien grand, bon, très bon joueur ne fait pas forcément un grand, bon, très bon entraîneur. Directeur sportif, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Il faut du réseau. Un directeur de recrutement, ça ne s'improvise pas. Il faut du réseau, il faut des formations. On est complètement d'accord là-dedans. Mais on n'a pas non plus pour... Il faut toujours être objectif et demeurer objectif. En France, on n'a pas trop cette culture-là. C'est vrai. Tu vois, voilà, il n'y a pas que Bordeaux. Il y a très peu de clubs en France. On mis, je ne sais pas, Lyon, Marseille peut-être. Voilà, qui et encore, ça ne s'est pas bien passé. À quelques niveaux que ce soit, sur des anciens... Juninho, ça s'est mal terminé, voilà, par exemple. Oui, mais parce que je pense que, puisqu'on parle de Juninho, je pense que, là, ça a fait un coup de com' à l'époque, mais. Exactement. Ouais. Et ça m'étonne de lui, mais Juninho n'avait pas les compétences pour occuper ce poste. Il aurait pu être apprendre auprès de quelqu'un de qui a les compétences, se former, et il avait. Il aurait pu être figure emblématique, oui, ambassadeur, je ne sais pas trop quoi, mais je pense qu'il n'avait tout simplement pas les compétences du poste auquel il a été promu. Et c'est un bon exemple. Mais on n'a pas à la base, on n'a pas forcément cette culture-là en France. À tort, à raison, j'en sais rien. Mais quand il y a des. Voilà, quand il y a des. Ou François, moi je. Qu'il y a une institution, je pense que c'est. Voilà, il n'y a pas que des anciens qui sont compétents ou plus ou moins compétents sur les terrains. Je pense qu'il y en a qui ont des compétences au sud pour apporter quelque chose en dehors du terrain. Mais on n'a pas cette culture en France. Ou tu vois, François, moi je pense. Attends, que... juste oui, Sam, je dis juste Laurent, si tu veux parler, il faut que tu ouvres ton micro. Je ne peux pas te l'ouvrir, ton micro. Il faut que tu cliques sur. Non, voilà. Je suis désolé, ouais. J'ai eu un contre-temps professionnel. Pas de souci. Attends, juste. Tu es allé changer des poissons, Laurent, c'est ça, tu ne veux pas nous le dire. Non, j'ai. pour être super clair, on vient de boucler le magazine équipe et j'étais obligé de renvoyer une page. Voilà. Je vais rebondir sur ce que François dit. Sam, du coup. Non, mais excuse-moi, Sam. Non, juste Laurent. Non, parce que je vous écoute. J'ai été plein, mais j'avais mis le haut-parleur et Nicolas, à juste titre, m'a retiré. Il a compris qu'il y avait un truc qui se passait. Donc, j'écoutais ce que vous disiez et je vais rebondir sur le directeur sportif et sur le cas de Bordeaux. Je pense que le problème est plus large. Je crois qu'hier, à un moment donné, j'ai mis en ligne un premier tweet à la suite de la décision. Tout simplement, ce club est décapité depuis des années. Et c'est pas, il y a Gérard Lopez, ok, qui est à la tête du club. Moi, je dis juste que depuis 4 ans, et c'est pour ça tout à l'heure, Samuel parlait des mois. Moi, je préfère parler d'années. Depuis 4 ans, c'est une accélération vers un trou noir. Il n'y a pas d'autre mot. GACP, c'est King Street, s'est laissé berner. On en est là. On paye encore. Le club paye encore ça. GACP, Dagrosa et Varela, je rappelle juste, ont mis sur pied une opération financière. Point barre. C'est pas mal le mariage. Tu vois, Laurent, t'as Al Capone
et Richelieu Mazarin, tu vois, c'est oui, de, mais quand ils sont arrivés, il faut juste se rappeler. Ils se sont compris, hein. Moi, je ne vais pas exonérer les dirigeants actuels. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Il y a aussi, des... On peut aller plus loin. Hein. Mais voilà. Mais, déjà, et, sportivement, voilà. D'abord, surtout. Voilà. Les anciens, mais, c'est plutôt sportivement. Comment on peut justifier GACP, ils ont apporté 2 millions d'euros. Ils ont pris la tête d'un club. Ils ont cramé des lignes de crédit à vitesse grand V. Ils ont augmenté la masse salariale. C'est un peu, si on prend l'image, ils ont acheté une maison. Une belle maison, un bel hôtel particulier, je ne sais pas, moi, je suis moins au courant du marché immobilier depuis quelques temps à Bordeaux. Mais Avenue Carnot, c'est là où il y avait le siège historique. Oui, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Ouais, ou au Bousca parlant du parc bordelais. Et puis, ils n'avaient pas les moyens d'entretenir la maison. Ils n'avaient pas les moyens. Au fur et à mesure, ils n'ont pas fait les travaux. Et en plus, ils se sont séparés du jardinier, c'est le recrutement, des éducateurs. Voilà. Et quand les travaux leur tombent sur le coin du nez, comme c'est le cas maintenant, comprenons cette image-là, eh ben, ils n'ont plus les moyens. Et là, la maison, elle est dans un état délabré. Voilà, l'hôtel particulier, il est délabré. Dagrosa et Varela, ils ont fait une opération financière. Oui, ils ont apporté, ils ont mis 2 millions, ils ont récupéré 10 millions d'euros au titre de faiseur d'affaires. Ils sont partis. Et en plus, King Street leur a racheté en novembre-décembre 2019 leur part. Voilà. Voilà, à partir de là, vous avez quoi ? Un club qui part en déliquescence. Il n'y a plus de cellules recrutement, il n'y a plus de formation. Je rappelle juste que des gens comme Bonicel, Bonalère ont été remerciés. Des éducateurs comme Philippe Lucas, Jean-Luc Dogon. Hein, je rappelle juste que Jean-Luc Dogon a amené le titre de U19 avec la génération Koundé Tchouaméni, une demi de Gambardella. Ils les ont remerciés. Ils ont mis en place des gens. On a eu l'intermède de Massia, mais tout s'enchaîne. Il y a un problème financier, on augmente la masse salariale, on s'en sort plus sur le sportif, l'actif joueur, mais il est de moins en moins bon, et on augmente les masses salariales parce qu'on veut une tête d'affiche, et je fustige pas Laurent Cossigny, on le fait venir. Bon, ben voilà, vous enchaînez derrière une saison sportive, comme dit François, qui n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est catastrophique. Et c'est mathématique, et c'est mathématique. C'est inéluctable, c'était inéluctable. Alors, je sais que souvent, on m'a traité de défaitiste, de pessimiste, mais bon... Pff. Voilà, réaliste, objectif. Vous mettez. Ça faisait pas plaisir à ceux qui disaient ça, c'est que ça faisait pas. Je vous ai écouté. J'ai écouté le replay mardi matin de votre émission du lundi soir. Oui. Oui. Au journal, tranquillement. J'étais tout seul. J'avais le temps. Je me suis mis ça au casque, tranquille. L'analyse de David, elle est pertinente. Elle est juste. C'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu, qui connaît très bien le monde de la finance. Il a décortiqué. C'est simple. Moi, j'aime bien l'image de la maison. Ils ont acheté un hôtel particulier. Ils n'avaient pas les moyens de l'entretenir. Et voilà. C'est le château. Et là, le château, là, il est lézardé. Hein. Ce matin, l'équipe, sans faire de corporatif, disait un château en ruine. Oui. J'invite juste aussi la phrase importante dans le papier d'Arnaud Herman ce matin. Ils n'ont pas été très convaincants. Oui. Vous imaginez, 2h, 2h30, la décision est tombée à vitesse grand V. Ben voilà, le dossier, je ne veux pas être méchant, mais pour reprendre une expression de notre président de la République, c'était, pour moi, ça ressemblait à poudre de perlimpinpin. Bon, je vais me faire fustiger, mais tant pis. Voilà, moi, quand je vois et le dossier… On va peut-être passer, François. Laurent, au quoi qu'il en coûte. Oui, tu oui c'est ça. On va peut-être passer au quoi qu'il en coûte. Non, ben bon, voilà, on rigole parce qu'on est député, mais voilà. Bon, François, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'on va voir un autre invité, nous. Qu'est-ce qu'on peut te... Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Je te dis, tu peux dire ce que tu veux, là. T'as une minute. J'ai envie de dire que je serai présent à la marche samedi. Ah, super. Eh bien, très bien. Je mettrai un maillot de Nino Savelgique, comme ça. Bon, voilà. Très bien, ça. Parce qu'on avait... Oui, parce que, comme je disais, qu'il fallait toujours être objectif. Voilà, les supporters, les ultras ne se résument pas qu'à une seule personne. Et c'est d'abord un message fédérateur qui s'adresse à tous les amoureux du club, dont je fais partie, évidemment, comme vous. Voilà, et après, on verra, mais plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça.
Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci, François. On te souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt pour des choses plus positives et à samedi. Exactement, exactement. Voilà. Portez-vous bien tous. Je vous embrasse. Merci, François. Allez, merci François. Et allez, Bordeaux. Salut. Ouais, c'est toujours. Merci. Bye. Voilà. Bonne soirée. Bon, messieurs. Bon mot de la fin pour François Grenet. J'ai bien aimé ce qu'il a dit à la fin. C'était très intéressant. C'est toujours enrichissant d'avoir des joueurs dans les débats des anciens joueurs. On va accueillir Laurent Crossi. Non, il est déjà là. On va accueillir Guillaume Duriati qui est scout. Non, pas scout. je rigole. Dans une minute, mais je vais l'accueillir. Mais je vais quand même donner la parole à Joe et à Patrick qui n'ont pas pu s'exprimer sur leur ressenti. Mais j'accueille Guillaume Duriati tout de suite. Bonsoir Guillaume et bienvenue. Bonsoir Nico, bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. Je te présente juste après pour ceux qui ne te connaissent pas, même s'ils suivent les émissions, ils te connaissent un petit peu. Joe, quand tu as appris la nouvelle mardi, tu n'étais déjà pas très confiant lundi après l'émission. Quelle a été ta réaction? Pas de surprise, entre guillemets. Mais même si tu y penses ou tu l'attends, c'est toujours une claque quand même à l'arrivée, parce que quand la réalité te saute aux yeux, c'est pas la même chose que d'imaginer quelque chose. Maintenant, quand tu voyais effectivement l'explication de David lundi et ce que j'avais pu voir un petit peu le week-end pour me renseigner un petit peu, comme le dit Laurent, je l'ai dit lundi, pour moi c'était du vent ce qui était présenté, ça n'a pas raté. On peut en vouloir à DNCG, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, quand on demande des choses, qu'on ne répond pas à ces choses-là, la sentence elle peut que tomber, que tu sois Gérard Lopez ou pas. On a compris que notre ami Gérard Lopez est arrivé très confiant. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on voyait que quelques jours avant, déjà, on communiquait beaucoup sur ce qu'elle a été fait, proposé, etc. Et tout. Et moi, quand on essaie déjà de me convaincre avant que le rendez-vous se fasse, je me dis, ça me paraît un peu douteux quand même. Et de toute façon, depuis qu'il est arrivé chez nous, Gérard Lopez, tout ce qu'il a fait, ça n'a jamais marché. Donc, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ça aurait marché, surtout quand tu n'as rien dans ton portefeuille. Faut pas se le cacher. On l'a très bien compris hier, maintenant. Donc, j'ai cette sensation que les Girondins de Bordeaux, qu'on dit, sont un petit peu victimes du foot business qui est arrivé depuis des années en France, que ça a un petit peu dépassé les compétences de beaucoup de personnes, et surtout qu'on est victime de mégalomanie de la part de certaines personnes qui sont arrivées depuis quelques années, et notamment le dernier qui a été quand même le summum, parce qu'à chaque fois, on arrivait quand même à s'en tirer, il y avait toujours quelqu'un qui remettait un petit peu d'argent, qui mettait la main au pot, etc. Et là, d'un coup, bizarrement, personne ne veut mettre l'argent au portefeuille. Bizarrement, Bordeaux ne peut pas survivre. Oh, quelle surprise. Donc, à un moment donné, ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a pas de surprise, on l'a cherché. Quand je dis on l'a cherché, je parle du club, mais évidemment, pas nous en tant que supporters, mais on l'a quand même cherché, malheureusement, dans tout ça. Et j'ai l'impression que certaines personnes voulaient voir tomber Gérard Lopez. Et encore une fois, Bordeaux, les Girondins de Bordeaux sont une victime collatérale de tout ça, parce D'accord. que je pense que malheureusement, dans cet ordre-là, Lopez ne voulait pas tomber tout seul. Il tombe avec les Girondins de Bordeaux. Voilà. Patrick. Hier, très en colère. Très en colère, parce que effectivement, comme on disait, c'était du vent, on le savait. Pour moi, si je devais le résumer... C'était ta banque qui t'appelle en te disant « Monsieur, vous êtes surendetté », et tu les rappelles en leur disant « J'ai trouvé une solution, j'ai fait un crédit dans une autre banque ». T'es toujours surendetté et tu l'es même encore plus. Donc, pour moi, on a fait exactement ça. Et Gérard Lopez, qui donc, avant d'aller à la DNCG, avait mangé un crudité confiance et s'est dit « Ça va passer nickel comme d'habitude », il a pris plein fer. Et aujourd'hui, je vais pas revenir sur tous les détails qu'on a déjà évoqués. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'on m'a mis un voile sur mon avenir au Girondin. C'est-à-dire que je sais pas ce que je dois faire, ce que je dois voir. Parce que je reçois des mails du club comme tous pour dire il faut vous réabonner. S'abonner. J'en ai reçu un aussi. Quelque chose. Ça sert à quoi? Pourquoi? Qui? Sauver le club. Patrick, c'est aux supporters de sauver le club. Mais si c'est ça, ne me demandez pas de m'abonner, demandez-moi de faire un don de 100 euros et on sera tous là pour faire un don de 100 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, en fait. Et en fait, je suis tiraillé dans ça parce que je connais plein de salariés, comme certains gens, beaucoup d'entre vous, et je me dis, si ça doit les aider, si ça doit les sauver, il faut que je le fasse. Mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est de l'enfumade, en fait. On est en train de m'expliquer que mon abonnement à 100 balles, il va sauver le club, même si on est 10 000 à le faire. Mais il manque 40 millions, on me parle de... Mais, enfin,
Voilà, donc j'ai ça. Exactement. Et puis il y a la marge de samedi. Tu te dis, est-ce que ça sert vraiment? Mais tu te dis, il faut que j'y sois pour les Girondins. Mais d'un autre côté, il y a tellement de passifs, de tout ce qui s'est passé. Tu te dis, il faut pas. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'avoir un espèce de voile, de ne pas savoir me projeter. Moi, l'équipe féminine va être détruite aussi, alors que. Et le centre de formation, je n'oublie pas tout ça. Et voilà, mais samedi où je retrouvais mes potes en tribune à Saint-Germain, aller encourager les filles. Je l'ai perdu ça vraiment, mes dimanches après-midi ou mes vendredis soirs avec mon pote Thomas où on allait arpenter le virage en prenant une binouze, j'ai perdu tout ça vraiment, j'arrive pas à réaliser, j'arrive pas à me projeter en me disant, parce que je serai là s'il y a de la N3, s'il y a de la N1, s'il y a de tout ce que vous voulez, comme vous tous, je sais que vous serez tous là. Mais c'est quoi notre projection en fait? On n'a pas de vision, non c'est pas pour le moment. Voilà, je sais que c'est qu'un club amateur, mais parce que j'y ai joué. Mais je ne sais pas ce que c'est que les Girondins de Bordeaux qui arrivent presque au niveau auquel j'ai joué amateur. Moi, petit Patrick Gomez. Quoi. Voilà, je suis extrêmement triste et je pense aussi à Jonathan Bess, je vois qu'il y avait un commentaire, qui est un pote à moi, un pote d'enfance, où son grand-père s'est fait défoncer à l'époque et qui avait pourtant monté ce club au plus haut du sommet de l'Europe et qui lui voit en plus ça d'un autre œil. Voilà, je pense fort à lui. S'il nous regarde, j'ai une pensée émue pour lui. Et pour sa famille. Moi, je pense qu'il faut quand même être positif sur 2-3 points. Le premier, c'est au moins. Tout à l'heure, je crois que c'est Samuel qui a évoqué au tout début. On ne sait pas la décision. On est encore dans ce déni, dans cette attente. Ça va aller très vite. Hein. Il y a deux voies de recours. Hein. C'est un ESF. On en parle après. On en parle après. Je pense qu'il faut être positif. On en parle après, les voies de recours. Restez là. Ouais, je pense qu'il faut être positif. Il y a des clubs qui sont repartis de zéro, qui sont revenus. C'est très long. Il y en a 14 qui ont quitté le monde pro. 4 seulement sont revenus. C'est 14 ans en moyenne. Il n'y a que Strasbourg qui l'a fait en 7 ans. Mais voilà, moi, je parle de Strasbourg parce que j'y ai habité pour faire 3 ans. Je connaissais ce club, je connaissais des gens, j'ai vu des salariés connaître ça. Et je pense aussi, et depuis hier, essentiellement aux salariés des Girondins de Bordeaux. Ça a fédéré toute l'Alsace, ça a fédéré tous les gens autour. Vous voyez ce que Marc Keller a pu faire. Voilà. Donc, il faut y voir des signes d'espoir. Et oui, s'ils quittent le monde pro, je pense qu'il y a des gens, comme l'a exprimé François Grenet, qui vont essayer de se fédérer. Et vous-même, par la marche et par d'autres choses, se fédérer. Voilà, Patrick, tu évoquais. J'ai vu ce tweet passer sur l'abonnement en Ligue 2. J'ai un peu halluciné. Mais... Ben oui. Voilà, non, mais Laurent, il faut qu'on en parle quand même. C'est-à-dire que le club. Allez, on parle de ça et après, ben ouais, on discute avec lui. On ne peut pas passer autrement. Le club communique toujours. Le club communique toujours à l'envers. C'est-à-dire que ce message, il ne doit pas tomber aujourd'hui. Il doit tomber il y a déjà un mois ou il y a quelques semaines. Et on doit nous dire un discours de vérité. Et c'est la personne qui doit le porter. C'est M. Gérard Lopez qui doit venir devant les supporters en disant « Voilà, on est peut-être en manque. Il va falloir qu'on ait un gros soutien populaire. » Et voilà, et on a un discours vrai, pas avec des sourires de façade. Et depuis hier soir, on n'a pas un mot de M. Lopez. À part deux lignes dans un communiqué. Et on entend Jacquet. Ben si, Laurent, tu l'as entendu, hein, Gérard Lopez, depuis hier? Moi, ce que j'entends. Non, mais j'allais dire, Gino, j'abondais dans ton sens, juste dire, comme souvent sur des instants marquants, des faits marquants de la saison. Est-ce qu'il sera à la marche? Il n'est jamais là. Erdouard, non, mais franchement, est-ce qu'il sera à la marche? Je ne connais pas, Nico. Mais quoi? Mais c'est son club, non? Il est propriétaire, il ne peut pas y aller à la marche. Où sent le raisonnement jusqu'au bout? Mais qui vient à la marche? Eh bien oui. On met de côté les différences, on met de côté Non, mais t'as raison, mais il n'y sera pas. Il en est incapable, Nico. Il en est incapable, ce monsieur. Eh bien, ouais, mais alors, c'est quand même le premier responsable des Girondins aujourd'hui, c'est lui le propriétaire. Ah oui. Mais qui viennent à la marche. Allons au bout du raisonnement. C'est une très bonne question. Puisqu'on nous demande d'être unis, ça se passera bien. C'est quand même le propriétaire qui demande aux créanciers, puisque Fortress et King Street sont passés de propriétaires à créanciers, de remettre des lignes de crédit pour assurer. Je pense que David l'a longuement expliqué.
C'est ça aussi que la commission d'appel n'a pas forcément compris. Elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas, Samuel et d'autres, tout à l'heure, vous avez dit, elle a posé des questions avec des éléments de réponse. Les éléments de réponse sont insuffisants. Voilà, on en est là. On en est là. Allez. Allez, mais non, bon, on en reparle après, je suis monté tout de suite en pression. Mais oui, mais la question de, je ne sais pas qui c'est, mais oui. Mais c'est, ça paraît tellement évident qu'il y soit. Tout le peuple bordelais uni. Non ? Oui, mais pour moi, c'est non, pas mais j'en sais rien, hein, mais moi, je suis naïf, peut-être, mais... Non, mais ouais. Allons au bout du raisonnement. Mais tu as raison, mais... Mais ouais, montrons mais, ça. Mais pour moi ouais, bon, après, non, on va rentrer dans les trucs. Allez, Monsieur Guillaume Duriati est là, il est avec nous. Joe, tu veux... Attends, non, Joe, il est calme, il est dans l'ombre, là. Joe, t'es trop calme, là. Là, non... Non, tu vas ajouter un truc. Mais Joe, ça fait un an qu'il sait que ça va se passer comme ça. Il a dit. Joe, il nous annonce. Il vous l'avait dit. Attends, qu'est-ce qui va se passer, Joe, dans les prochaines semaines? Non, mais c'est pas la peine de rêver à quoi que ce soit ou je dis au miracle ou quoi que ce soit maintenant. De toute façon, je pense qu'on a tout compris. On n'a pas envie de l'accepter. Hein. Mais moi, depuis octobre, on me dit que le projet n'est pas viable, de toute façon. Donc, mais j'avais pas envie de le croire. Hein. Mais j'émettais des doutes, moi, juste à l'époque. Hein, mais j'ai jamais dit que le club allait tomber aussi bas. Hein. Je suis quand même assez surpris et choqué de ce qui se passe quand même. Et je me rends compte quand même que cette saison, c'est quand même le fait, entre guillemets, pour moi, d'une personne qui n'a jamais vu ou compris ce qui se passait au club et autour du club et du contexte. Moi, c'est ça qui m'a toujours interloqué, c'est de voir, comme on l'a dit, Gérard Lopez a toujours été à côté de la plaque. Allez. Cette saison. Monsieur Guillaume Duriati est là. Merci Guillaume d'être là. C'est la troisième, quatrième fois, dis donc. T'en vas t'intégrer dans l'équipe. Hein. Ouais. Bon, honnêtement, j'aurais préféré venir dans de meilleures circonstances qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que voilà, je dois venir, on va discuter, mais bon, je te présente, je comprends, bien sûr, on se serait bien passé de faire cette émission, mais bon. Ça n'empêche pas de la faire dans la bonne humeur aussi, même si le temps est grave parfois. Absolument. T'es scout, fais partie, on peut le dire, de l'équipe de Bruno Fievé. On l'avait déjà dit de toute façon quand tu étais venu dans la gestion du projet. Donc, je t'ai demandé de revenir pour voir si tu pouvais nous expliquer, parce qu'on a vu qu'ils ont discuté ensemble, est-ce qu'il y avait l'apport d'argent, etc. Mais avant ça, je t'ai demandé, est-ce que tu es surpris par la décision ? On en avait parlé en plus la dernière fois que je suis venu, je crois que c'était il y a un mois ou deux que j'étais venu et on avait déjà un peu discuté. Non, je ne suis pas surpris. Voilà. Moi, je ne suis pas surpris. On savait très bien, de toute façon, en plus, lors de la première audition, on savait très bien que ça n'allait pas se passer tranquillement quand tu arrives les mains dans les poches, tranquille, sans une garantie, costard cravate. Bon, voilà. À un moment donné, t'as beau avoir ton costard, si t'as pas les garanties, ça sert à rien. Autant venir en slip avec les documents bancaires. Voilà. Bon, ils étaient pas là. Et là, t'arrives au résultat aujourd'hui d'une longue descente aux enfers. Je veux dire, une destruction de patrimoine français. Et ça, c'est terrible. Parce que moi, à l'inverse de vous, je suis pas supporter des Girondins, mais c'est un club que j'apprécie beaucoup, ne serait-ce que par son historique. Et puis, c'est quand même un club quand on est amoureux du football, qui à un moment donné nous a fait vibrer en Coupe d'Europe, qui nous a fait vibrer aussi à travers des belles épopées en championnat. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Après, on ne va pas refaire l'histoire non plus parce que bon, les principaux responsables, je pense que vous en avez déjà parlé, puis ils sont facilement identifiables. Hein. Mais moi, après, ce qui m'enrage, c'est que ces personnes-là, au final, ils ont pas le moins d'intérêt pour notre sport, notre passion, pour vous, votre passion pour les Girondins, et puis ils vont tranquillement s'en sortir au final. Et puis même, t'en as certains qui vont partir avec des billets dans les poches, et qui sont déjà partis avec des billets dans les poches. Donc oui, ça moi, en tant que passionné de football, ça m'enrage. Ouais. Ça j'ai les boules. Voilà. Mais comme vous disiez tout à l'heure avec François, c'est le foot business. Voilà. Bordeaux est tombé en plein dedans il y a maintenant 5 ans. Ils s'en ont pas sorti, au contraire. Ça a creusé, et puis là aujourd'hui on arrive au fond, quoi. Donc c'est dur. Voilà. C'est dur à voir, en tout cas. Bon. Après, juste, tu vois, surpris aussi, quand tu me dis surpris par la décision, moi je suis pas trop surpris non plus, dans un sens où toute la saison, alors avec les péripéties qu'il y a eu l'été dernier, on va en reparler tout à l'heure peut-être, mais avec tout ce qui s'était passé l'été dernier, moi j'ai continué à faire mon taf, à aller sur les terrains tous les week-ends, j'ai fait beaucoup de France cette année, j'étais beaucoup en France, j'ai échangé un petit peu avec tout le monde, alors comme j'ai été mis un peu en
en lumière avec, avec Bruno dans la reprise. J'ai beaucoup parlé avec des présidents de clubs pro, des entraîneurs, des joueurs, même certains membres de la Fédé ou de la LFP. Je me suis rendu compte d'un truc, et je crois que c'est Joe qui l'a dit tout à l'heure. Gérard Lopez, c'est un homme à battre. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, bah oui, les Girondins sont un des dommages collatéraux de, un des dommages collatéraux, pardon, de Gérard Lopez. Après, c'est un homme à abattre. Moi, on en a déjà parlé. Moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'avait peut-être pas sa place dans le milieu du football, mais plus dans la finance. Comme beaucoup, c'est pas le seul, hein. Il y en a encore beaucoup. Mais voilà. Malheureusement, les Girondins font partie de cette histoire-là et de tout ce passé-là. Donc, tu collabores, tu assistes, tu collabores avec Bruno Fievé, homme d'affaires qu'on ne présente plus, hein, s'exprimer plusieurs fois autour des Girondins. Il a expliqué sur son compte Facebook qu'il avait rencontré plusieurs fois Gérard Lopez ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Voilà. Alors après, faut clarifier les choses. Déjà, je le comprends. Après ce rapprochement, ça a été une grande surprise pour beaucoup de monde. Surtout ceux qui connaissent le projet de Gérard Lopez et celui de Bruno Fievé. C'est deux, hein, vous le savez aussi, c'est deux projets qui sont quand même très opposés. Hein. T'as un projet basé sur le trading et t'as un autre qui est basé justement sur le local, la formation et les féminines comprises. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, Bruno, pourquoi Bruno a souhaité discuter avec Gérard Lopez malgré ses divergences ? C'est surtout et avant tout dans l'intérêt du club. Parce qu'il y avait des solutions à apporter et je vais vous les donner. Mais après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Est-ce qu'il aurait dû faire comme les politiques actuelles, attendre gentiment que tout se casse la gueule, venir après la fleur au fusil devant le tribunal du commerce quand il y a le dépôt de bilan et puis bah, dire bah, « super les gars, coucou c'est moi j'ai un projet ». Bon, voilà, à un moment donné, il a voulu se mouiller du mieux qu'il a pu en fonction des moyens qu'il avait, et je vais en parler. Et moi, je pense que… Bah, même si je suis un des premiers aussi à ne pas être d'accord avec la politique de Gérard Lopez depuis son arrivée, même ce qu'il faisait avant, que ce soit à Lille, à Moucron ou à Boavista, bah, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, pour sauver les Girondins, on va peut-être toquer à sa porte et voir si on peut l'aider à ouvrir les yeux sur certains points pour sauver un peu l'image du club, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que les discussions sont toujours en cours ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Est-ce que ça discute toujours ? Ça n'a pas abouti finalement. Est-ce qu'il était ouvert ? Est-ce que finalement. Parce que le club n'est pas à vendre, clairement. Le club, il n'est pas à vendre aujourd'hui. Non. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, avant ces discussions, Bruno avait rencontré les instances bordelaises. De mémoire, c'était courant février. Il leur avait parlé à ce moment-là que la situation allait devenir dramatique. Bah, c'était juste après le changement de coach. Et moi, je m'en souviens parce que j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu des discussions avec les instances. Bruno leur a fait part que la situation allait être quand même très dramatique par rapport aux éléments qu'il avait pu avoir sur le plan financier comme sportif et qu'il fallait quand même que tout le monde soit vigilant. Quand je dis tout le monde, je parle juste des institutions bordelaises actuellement, qu'elles soient vigilantes par rapport au prochain passage à la DNCG. Et là, on parle de février. Hein. Voilà. Donc quand il les a vus, il a parlé de son projet qui était le même que l'été dernier. Hein. En leur indiquant également qu'il se préparait, qu'il était en train de remobiliser les troupes après la claque entre guillemets qu'il a pu avoir l'été dernier, qui encore une fois était injuste parce que on avait François juste avant, mais François pouvait aussi confirmer parce qu'il l'a vu qu'il y avait quand même des documents bancaires l'été dernier et qu'il y avait quand même de l'argent. Bruno Fievé venait pas non plus à poil, qu'il y avait quand même beaucoup d'argent et même plus que Gérard Lopez pour reprendre le club l'été dernier. Voilà, ça faut pas avoir peur de le dire non plus aujourd'hui. Combien c'était l'an quoi dernier... le montant ? Le montant l'an dernier, c'était combien ? Je vais pas te raconter de conneries, mais on était entre 15 et 17. Sans compter les fonds d'investissement derrière. Donc ça, c'était des fonds propres apportés en cash. C'est ça. D'accord. Sans compter les hors mutation, hors droit télé. C'est ça. Et le budget était de combien ? On était entre 70 et 80. D'accord. 70, 80, budget fonctionnement, mutation comprise, droit télé. Et voilà. Mais tu t'en et dans ce... ouais, mais tu t'en sens. Non, non, mais parce que moi, ce qui m'a toujours dérangé depuis le 21 avril, je crois que c'est le 21 avril 2021, l'annonce,
communiqué de Frédéric Longuépée, c'est que, et même avant, on a toujours eu des gens qui ont dit « j'ai tant, j'ai ci, j'ai là », mais personne n'a avancé de vrais chiffres. Voilà, donc c'est bien que tu nous dises, Guillaume, voilà, il y avait 17 millions d'euros de fonds propres, ok, de garanties bancaires, documents, etc. Après, donc un budget de 70 à 80. Je rappelle, Gérard Lopez a amené 10 millions d'euros de fonds propres sur le dernier achat et un emprunt de 22, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, pour une dette totale d'emprunt de 52 millions d'euros, avec une recapitalisation en décembre 2020, abandon de la dette. Voilà. Tu peux partir de toute l'histoire, parce que comme tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est toi, Laurent, qui le disais justement, il est arrivé, il a accepté toutes les conditions. À partir de là, tu ne peux plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Aucun dossier ne pouvait faire quoi que ce soit en face. Tu vois. J'allais dire que si je suis assez cash, il a laissé Keane Street dans le jeu. Voilà. Bien sûr, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, voilà. Tu as raison, complètement. Mmh. Et aucun autre ne le souhaitait, puisque tout le monde souhaitait justement partir sur une page blanche à l'époque. Hein ? Ce qui est logique. Et oui. Et moi, j'en viens même encore à penser, j'ai pensé hier, tu vois, quand la décision est tombée, j'ai pensé hier, je pensais au regretté Jean-Didier Lange et à Jean-Louis Trio. Eh ben, je me disais, ils étaient dans le vrai, encore une fois, ils étaient dans le vrai quand ils se sont opposés au CA en disant non, il faut que le club tombe en Ligue 2 parce qu'aujourd'hui, on a des avantages par rapport à la situation du club et par rapport à la situation Covid et on a beaucoup d'avantages à partir ne serait-ce qu'en Ligue 2, se refaire une santé. Ouais, je pense à eux parce qu'au final, ils ont quand même été beaucoup lynchés par les gens et même des fois accusés de trahison, comme j'ai pu le voir à plusieurs reprises, mais bon, ils avaient peut-être raison quand même. Et moi, je pense qu'ils avaient effectivement raison. D'ailleurs, il a fait une interview à lire dans Sud-Ouest, Jean-Louis Trio. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, c'est sorti tout à l'heure. Voilà, bon. Ouais, bon. Allez-y, c'est très rare qu'il s'exprime. Alors, je l'ai lu, mais finalement, j'en retiens pas grand-chose. Ouais. Bon, il dit ce que tout le monde dit. Quoi. Je ne sais pas, il faudrait que je la relise. Voilà. Non, après, il y a juste une chose, par contre, juste que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle, même si on avait réussi à se sauver là, et qu'on était en Ligue 2 là, cette saison, l'an prochain, on se serait retrouvé comment ? Dans la même merde, de toute façon. Je pense que là, vu la situation de toute façon où on était là, à l'heure actuelle, on aurait juste reculé pour mieux sauter à l'arrivée pour l'année prochaine, parce que je pense que sportivement, on aurait eu du mal à construire une équipe cohérente, on ne va pas se le cacher, et que de toute façon, qu'est-ce que tu aurais présenté ? Non, mais tu aurais limité la casse sur la dette. Tu penses, vraiment ? Mais c'était la possibilité, si tu avais la possibilité l'an dernier, en tombant en Ligue 2. Ah non, mais je parle de cette année. Là, je parle de ce qu'il y a eu cette année. Là, ce qui se passe cette année, concrètement, même si on avait réussi à se sauver ric-rac cette année, l'an prochain, on aurait eu la même merde, de toute façon, pour moi, derrière. Bah, t'as 4 millions en plus. Voilà, et il n'y a que si Gérard Lopez avait accepté, justement, de vendre le club, peut-être que là, on aurait moyen de se sauver. Mais tant qu'il est encore là, de toute façon, avec une Street et Fortress, il n'y a aucune possibilité pour que le club se sauve. Guillaume, je vais revenir sur vos propos, sur tes propos, si tu me permets de tutoyer. Tu vas passer sur le grill, là, Guillaume. Quand en février, Bruno Fievé alerte, il y a toujours ces 17 millions d'euros de fonds propres derrière Non, alors justement, tu vois, j'allais y venir. Voilà. Quelle transition. Ouais, impeccable. Un vrai métier journaliste. Non, on a effectivement, si tu veux, on a eu ces discussions donc, avec les institutions. Bruno les a eues. Après, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Fallait envisager la suite. Donc pour ça, Bruno a formulé une offre à Fortress au mois de. C'était au mois de mai, hein, de mémoire. A formulé une offre à Fortress, voilà, qui était très conséquente. Hein. On n'a jamais eu de retour. On n'a jamais eu de retour de Fortress. Dans l'offre, c'était quoi ? C'était le rachat de la dette, le rachat du. Rachat club. Total. Rachat total. Absolument. D'accord. Avec comme condition sine qua non, donc le départ de Gérard Lopez. Absolument. Absolument. Ah non, mais pour que tout le monde comprenne quels étaient les trucs. Ah, mais je vais revenir en arrière. Non, non, mais. D'accord. Et quand tu dis offre conséquente, c'était combien ? C'était combien ? Alors ça, ce sera. Ce qu'il va le dire. On était autour des 70 millions. D'accord. Pourquoi ça n'a pas été fait à Gérard Lopez, en fait, du coup, pour Stéphane, c'est qui le propriétaire du club, en fait, à l'heure actuelle ? C'est cette fameuse action, là
C'est une grande question. Le problème, si tu veux, on sait que c'est quand même Fortress qui décide à un moment donné, qui était décideur de tout ça. Ouais, dès l'instant où le club tombe, on a vite compris que c'était Fortress qui était décideur de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu formules une offre avec une preuve bancaire. C'est ce qui a été fait. Et puis ensuite, tu attends, tu espères une réponse. On les a relancés pendant, 2-3 semaines. On n'a jamais eu de retour. Rien. Donc, à partir de là, bon, tu te dis, terminé. Et puis, là, on y arrive. Gérard Lopez appelle Bruno Fievet. Voilà. Et là, on y arrive. Et là, on discute. Voilà. Donc, ça s'est passé il y a un peu plus d'un mois. Donc, dans le premier contact avec Lopez, Bruno lui apporte des documents bancaires avec une levée de fonds propres à 40 millions, un accord de prêt, une LOI, donc une lettre d'intention. Et puis, voilà. Mais c'était dans le but très précis de lever des clubs, de lever des fonds pour aider le club. De sauver le club avant, et j'insiste bien, c'était sauver le club avant le passage à la DNCG. C'était surtout ça. La levée de fonds propres, donc c'est avant la première audition, et la levée de fonds propres, c'est 40 millions d'euros. Absolument. Ce qui correspond à ce que la DNCG demandait sur un compte. Et dans ces 40 millions c'était une levée de fonds qui était proche de 40 millions d'euros, ouais, c'est ça. C'est d'accord. Ça. Alors, là, il n'y avait pas que de la levée de fonds propres, mais il y avait un peu de tout. Voilà. Mais à ce moment-là, Bruno Fievet et ses partenaires étaient capables de bloquer cette somme sur un compte. Alors ça, c'est Bruno qui te répondra. Mais parce que ça, c'est important. Parce que c'est ça qui a chopé. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je peux te dire pour continuer là-dessus, c'est qu'en contrepartie, tu ne viens pas comme ça, tu donnes l'argent et tu t'en vas. En contrepartie, c'était juste d'imposer certaines conditions de sa part. Donc, c'est ce que Bruno a fait, avec éventuellement un poste de président délégué, mais surtout une vue et un projet basé sur le sportif qui serait quand même… qu'il fallait changer et pouvoir d'accord. diriger. Il y avait des règles éthiques, donc ça a lui posé problème peut-être. Non, mais il y a un point. Dans cette proposition, plutôt dans ce contact de Gérard Lopez, il appelle parce qu'il est déjà conscient de la situation financière, ce qui est une surprise pour personne. Donc, il appelle Bruno Fievet. Et derrière, dans cet accord, Gérard Lopez restait. Bruno Fievet était président délégué, Gérard Lopez restait. On est d'accord. Absolument, absolument. Pour que tout, on passe d'une situation où… Absolument. Départ de Gérard Lopez à maintien de Gérard Lopez avec un président délégué. Ok. Tu n'as pas le choix dès l'instant où Fortress n'est pas vendeur et que tu veux essayer. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Bruno était là dans l'intention d'aider le club. Donc, si déjà Fortress n'est pas vendeur, tu te dis on va essayer autrement d'aider le club. Voilà, tu sais qu'il y a un manque d'argent, tu sais que tu peux en apporter, tu vas aider dans ce sens-là. Tu vas aider comme ça. Oui, non, mais. Voilà. L'objectif, de toute façon, dans tout ça, c'était vraiment de permettre dans un premier temps et avec une activation financière vraiment rapide de sauver le club devant la DNCG, mais à la première instance et pas ou même la deuxième, mais pas après tout ça. Qu'est-ce qui a cloché? Moi, je me mets juste de temps en temps, quand je réfléchis, je me mets à la place des autres. Je suis à la place Gérard Lopez, je contacte Bruno Fievet, j'ai eu vent que février, il y a éventuellement du cash qui peut arriver, ce qui peut sauver le club. Je mange des cacahuètes, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a chopé? Pourquoi moi je me mets à la place Gérard Lopez si je veux contacter quelqu'un qui est capable de m'emmener pratiquement 40 millions d'euros, pourquoi? Parce qu'il nous indique que pour la DNCG, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, il va trouver une solution avec Fortress, avec King Street, il n'y aura pas de problème. Et que nous, il nous verra le lendemain du deuxième passage, donc c'est aujourd'hui, il nous verra pour qu'on puisse rentrer dans le club avec un nouvel actionnariat, si tu veux, avec un apport supplémentaire et le projet sportif. Bon, là, on y est, mais c'est trop tard, quoi. Voilà. Et là, est-ce qu'il y a eu des contacts depuis? Aucun contact depuis. À ma connaissance. D'accord. Je vais revenir en arrière. Les partenaires qui sont avec Bruno Fievet sont de quel ordre? Comment ça? Quand tu parles de l'ordre. Est-ce qu'ils sont d'investisseurs? Voilà, à nouveau, merci Nicolas, à nouveau fonds d'investissement. Je suis là, je participe un peu quand même. Du cash propre. parce qu'à un moment donné, par Laurent. Excusez-moi. Non, mais la question est bonne. Il fait l'interview, mais on laisse, c'est parfait. Non, mais quel type d'investisseur?
Parce que la 3F, elle a envoyé un signal hier. Bah bien sûr que la 3F a envoyé un signal, on le sait. Mais si tu as une personne en face de toi qui n'est pas vendeuse, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais pas. Ah non, mais là, moi, ce qui m'étonne, quand même, je reprends la chronologie des faits telle que tu nous l'as décrit. Je reviens pas sur février. On va dire, il y a un mois, Gérard Lopez contacte Bruno Fievé, lui disant, voilà, alors vous avez éventuellement des fonds propres, quel montant, quel investisseur, quelque chose. Je pense que la discussion a dû tourner autour de ça. Ouais, c'était à peu près comme ça, ouais. Ouais, s'il sait, il connaît la situation financière, quoi. Je l'espère, je le crois, j'en suis persuadé quand même. Il dit pour la DNCG, il n'y aura pas de souci. La lettre, il y a eu un souci quand même, on le voit tous. Il y en a un gros souci encore. Et je sais bien. Là, je suis assez scotché. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà, je suis assez scotché. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement, attention, hein. Bon, après, j'aime bien avoir les docs sous les yeux, etc. C'est pas toujours facile, c'est de moins en moins facile de les obtenir, surtout en ce moment. Mais je me mets à la place, même par exemple, du directeur général. Il y a quelqu'un qui peut apporter de l'argent, qui peut sécuriser le budget pour la Ligue 2. Donc, ce qui signifie quand même, on a l'argent de la société commerciale, on a un minimum de droits télé, on a un parachute de la Ligue qui vient pour compenser le manque de droits télé à la suite de la descente, si je ne dis pas trop de bêtises. Moi, je prends ça comme du pain béni, je fonce un peu dessus. Donc là, comment tu fais? Mais tu as tout à fait raison de ce que tu dis, mais comment tu fais quand tu es face à une personne qui est convaincue de son truc? Il était convaincu qu'il passait la DNCG. Il était déjà convaincu à la première et il était encore plus convaincu à la deuxième. Et il se ramasse les deux fois. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es en face, qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, mais... Tu ne vas quand même pas le penser. Laurent, il cherche que des investisseurs en plus minoritaires, M. Lopez. Tu sens bien qu'il veut faire rentrer des gens pour aider le club, mais qu'il n'ait aucune vue sur le sportif. On sait très bien comment il gère ça. Dans tous ces clubs, c'est la même chose. Il a une société Joga Bonito qui n'est pas nette sur plein de choses. Donc, on sait très bien que si on met le nez dans ses affaires, et notamment... C'est holding. Oui, en tout cas, c'est un holding. Mais c'est important, c'est important. Mais il gère des choses. Ben, c'est pas très net ce qui se passe dans le monde du foot avec M. Lopez. Donc, qu'il y ait des gens de bonne intention qui viennent avec de l'argent conséquent et donc qui prennent une place prépondérante dans le club parce qu'ils ne peuvent pas amener des millions et des millions et dire à Gérard Lopez, tu vas continuer de nous faire ta merde au niveau trading et tout ce que tu fais au club sans qu'ils aient des responsabilités, ces gens-là. Donc, si c'est vrai, les affirmations de Guillaume, et je dis bien si c'est vrai, et c'est vérifié par des documents, c'est une honte abyssale ce qu'a fait Gérard Lopez. Parce que si ça s'est confirmé, c'est-à-dire qu'il a amené le club à la mort directement. Et ça, c'est très, très grave. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais c'est quand même un scandale. C'est un vrai scandale. Ce que tu révèles quand même, c'est assez incroyable, Guillaume. Non, mais c'est aussi pour ça qu'hier midi, on a échangé vite fait tous les deux et je t'ai dit, moi, j'y crois pas à la deuxième instance, j'y croyais pas. J'étais persuadé qu'il n'allait pas passer. Il y a eu une telle. T'as quand même en face de toi une personne qui a toujours été convaincue de tout ce qu'il a entrepris. Et il s'est ramassé la gueule et à chaque fois, il était convaincu. Même quand il se ramassait la gueule, c'est la faute des autres. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu discutes, de toute façon, il se remet pas en question. Donc, tu discutes, moi-même, j'ai dit à Bruno, à un moment donné, il faut lâcher le truc, parce que, et puis c'est très risqué, parce que tu peux tomber avec. Mais bon, après, je comprends Bruno qui a voulu apporter son aide du mieux qu'il pouvait pour aider le club, mais c'est vrai que, quand t'as affaire à une personne en face de toi qui a des certitudes, et alors que tu sais, toi, par A plus B, qui se plante, et que tu peux rien faire. De toute façon, c'est lui le décideur. Donc tu rentres chez toi. Hier j'étais dans la bagnole, j'ai dit putain mais c'est pas possible quoi. Mais c'est bien. On peut recouper ça aux déclarations de Pascal Rigaud dans Sud-Ouest qui dit qu'il a proposé son aide et qu'il a été écarté. C'est ce que j'ai lu dans Sud-Ouest. Moi ça me fait penser à ça aussi. Il me semble avoir entendu quand même dans l'interview de RMC de 39 minutes et 14 secondes de Gérard Lopez. Il y a une phrase à un moment donné où il dit. Quand il évoque la reprise de juin-juillet 2021, les gens n'ont pas apporté les fonds. Bon, on est en juin-juillet 2021.
il a, c'est à peu près le moment, ça con, c'est concordant avec le moment où il l'appelle, Bruno Fievet, où il appellerait. Parce que moi, j'utilise toujours le conditionnel tant que je n'ai pas l'autre partie qui me confirme. Je suis désolé, hein, ce n'est pas une remise en question, mais c'est un défaut. Travail journaliste, quoi. Normal. Ouais, non, c'est... Non, on pose des questions. D'ailleurs, si Gérard Lopez veut répondre à tes affirmations, il peut. Hein, je le dis, bien sûr, parce qu'il y a la contradiction qui peut être menée sur cette antenne sans problème. Lui ou un de ses représentants, il n'y a aucun souci, je le dis. C'est clair. Voilà, il n'y a aucun souci. Après, au bout d'un moment, il faut venir parler, il faut venir s'exprimer. Tout à l'heure, j'étais gentil, j'ai parlé juste d'un crudité confiance avant la DNCG, tu vois. Bon, en fait, on s'est aperçu qu'il avait bouffé toute la pizzeria et la boulangerie qui allait avec avant d'y aller. Mais de toute façon, ce mec est hors sol, quoi. Il n'a jamais été arrêté par personne dans tout ce qu'il a entrepris négativement. C'est-à-dire qu'à un moment, et juste il faudrait, et j'espère que peut-être ça fera jurisprudence notre cas malgré tout, c'est qu'à un moment, si un actionnaire, je parle bien d'un actionnaire, se plante un club, c'est-à-dire le fout en liquidation dans le foot, il ne doit plus pouvoir reprendre un club de foot en France. Tu as le droit de faire des erreurs aussi en termes de gestion. Tu as le droit de faire des erreurs en termes de gestion. Non, pas quand c'est aussi grave. Tu sais pas, quand tu gères une société et que tu la plantes, tu es interdit de... tu peux être interdit de gérer d'autres sociétés. Je crois que c'est possible. Oui, bien sûr. Si tu es un mauvais gestionnaire, on peut t'arrêter. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop d'enjeux économiques, etc., pour qu'à un moment, dire à des gens qui ont... Encore une fois, je parle bien de liquidation. Je parle pas d'un mec qui se plante, etc. Ça peut arriver. Le club est racheté, etc. Là, on parle de liquidation. C'est-à-dire qu'il ne va rien rester des Girondins de Bordeaux derrière, mis à part les Cussons, et peut-être 14 mecs pour faire une équipe en N3. On est en train de parler de ça. Ces gens-là ne doivent plus pouvoir prendre un club de foot. Lui, c'est pas la première fois. Il s'est planté en F1, il ne doit plus aller en F1. Il s'est planté au foot, il ne doit plus aller au foot. Après, et encore une fois, des Gérard Lopez, il en existe des centaines dans le monde. Hein. Donc, faut pas croire qu'il est tout seul. Il est quand même sacrément fort, lui, mais il y en a d'autres. Pour moi, demain, il ne doit plus pouvoir exercer. Il faut arrêter ces gens-là. Il faut les arrêter. Ils nous brûlent notre passion. Ils nous brûlent notre club. Là, c'est ça qui est parti en fumée, en espérant qu'il y ait encore des recours. On en parlera tout à l'heure. Mais ce mec-là doit être interdit. Il faut l'arrêter. Il faut le stopper. Il va continuer sinon. Messieurs, il faut qu'on avance. 21h19. Vous avez lâché une bombe là. Guillaume, est-ce que tu veux conclure? On va te libérer. Tu as une minute pour conclure ton intervention. J'ai plus d'autres questions à te poser. Est-ce que là, c'est fini pour toi? Est-ce que tu as un espoir? Est-ce que c'est fini après toi? Honnêtement, je ne sais pas. Après, moi, j'ai eu Bruno ce matin. On a un peu échangé. Après, comme tout le monde, hein, il a pris un gros coup sur la tronchière parce qu'en tant que supporter, il voulait quand même y croire jusqu'au bout. Même s'il savait que c'était pas gagné d'avance de toute façon. Après voilà, plutôt que de réagir et de décider des choses à chaud, je pense que voilà, on va se réunir, on va faire un peu le point sur la situation, voir déjà aussi le club comment il va réagir au niveau des appels, s'ils vont en faire ou pas, que ce soit au tribunal du commerce ou au comité olympique. Donc on verra déjà ça. Après, le gros problème que tu as aujourd'hui, c'est que bon, après vous en aviez déjà parlé, c'est que c'est la Ligue 2, la Nationale 3, mais la N1, c'est pas possible. La Nationale 1, c'est impossible aujourd'hui. Tu dois mettre beaucoup trop d'argent pour quasiment aucun revenu. Donc non, c'est pas possible. Voilà. Donc là, t'as tout qui est tombé à l'eau. Voilà. Moi, on va se poser avec Bruno, on va discuter un petit peu, on va voir. Après, il y a quand même. Moi, je vais continuer à l'écouter parce qu'il a quand même eu des. Il a quand même eu réseau sur de nombreux points, Bruno. En 2019, il avait annoncé que les GACP allaient se barrer un peu comme des voleurs en 2021. C'est ce qui s'est passé. L'été dernier, c'était pareil, en disant que le club allait être en sursis une année. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Après, en dehors de sa passion du football, c'est quand même quelqu'un qui travaille dans la finance depuis des années. Donc il sait aussi de quoi il parle quand il voit un peu les chiffres. Et moi, ça, je suis pas très à l'aise. Donc j'écoute et j'apprends beaucoup de choses autour de ça avec lui, donc c'est très intéressant. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que même si aujourd'hui le club est en N3, je pense que Bruno va pas y aller non plus tête baissée, les yeux fermés, en arrivant au tribunal du commerce, disant « Bonjour les gars, moi j'ai un projet, je viens sauver le club en N3 ». Je pense qu'avant tout ça, ce qui va surtout être important, c'est de rassembler tout le monde. Et ça, Bruno en est capable parce qu'il a cette force-là. Il est quand même assez agile pour rassembler tout le monde. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, ça va passer par un rassemblement très fort. Moi, je l'ai connu à Laurent en parlait tout à l'heure. Moi, je l'ai connu à Strasbourg, comme je suis alsacien. Je l'ai connu et ancien du club du Racing Club de Strasbourg. Donc, j'ai connu cette descente-là. J'étais déjà plus au club, mais tous les gens avec qui j'avais travaillé des années avant se sont retrouvés au chômage et
tous les salariés, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de passer par là, mais c'est aussi la force de Strasbourg. Qui est, je veux dire, c'est pas méchant. Je parle pas du Mans, je parle pas de Cannes, je parle pas de d'Évian-Thonon-Gaillard. On parle quand même de Bordeaux, qui est quand même comme Strasbourg. C'est des institutions du football français. Donc non, ils mettront pas 14 ans à remonter. Ils mettront bien, ça ira bien plus vite. Mais après, il faut surtout avoir les gens. Les gens qui soient derrière un même projet, tous unis. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. On avait réussi à rassembler beaucoup de monde, que ce soit au niveau politique, entrepreneurs, acteurs de la vie locale, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et je veux dire, à Bordeaux, ça peut marcher de la même manière. Oui, mais Guillaume, Strasbourg, si tu connais, donc tu connais bien la région, il y a un particularisme fort de cette région qui a fait que. Voilà. Je suis pas, quand je vois un peu la communauté bordelaise sur les réseaux sociaux, moi, je la trouve ultra divisée. Voilà. Ultra divisée. Parfois, j'hallucine. Je suis d'accord. Voilà. C'est la différence, oui, aujourd'hui. C'est vrai. Et la communauté, oui. Il y a un très gros sponsor avec Aguerre, qui est une marque mondiale d'électricité. Voilà, tu as des identités fortes. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans l'économie locale bordelaise, il existe un Aguerre, un Wurt et aussi… Électricité de Strasbourg, qui est un partenaire depuis longtemps. C'était un club quand Roland Weller était président avec l'Alsacienne de restauration qui avait une vraie assise locale, etc., qui était implanté. Moi, je les ai connus en D2. On était 3000 contre Chaumont. On n'était pas nombreux à la Méno. Mais ils ont tellement eu peur de le voir disparaître qu'ils sont remobilisés avec une personne qui a fédéré, Marc Keller. Là, pour l'instant, à Bordeaux, mais Laurent, qui peut fédérer? Mais qu'est-ce qui empêche? Alors là, je vais être l'optimiste un peu, mais rien n'empêche de se dire qu'on puisse le faire à Bordeaux. Et cette communauté est si divisée, comme tu le dis si bien, et tu as raison sur cette année, parce qu'il y a malheureusement des personnes qui ont malheureusement... de façon pas malveillante pour certains, mais qui ont mal influencé une communauté quelque part et qui ont créé des divisions. Et Gérard Lopez s'est servi de ça d'ailleurs, et je le tiens le premier responsable. Mais rien n'empêche demain de se parler, de regagner la confiance de chacun, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et quand tu vois les initiatives qui sont prises par les supporters sur les réseaux sociaux, il y en a des très bonnes. Autant on a... pointer du doigt la campagne d'abonnement « Sauvez-vous au dernier moment », autant tu vois des supporters qui font beaucoup de choses, qui sont prêts à payer un abonnement pour quelqu'un d'autre, qui sont capables de faire des pétitions, qui seront capables d'être là à la marche samedi, j'en suis persuadé. Donc, il y a une communauté de fidèles qui ne lâchera rien, ça j'en suis certain, avec des avis des fois différents. Voilà. Moi, je serai avec des gens qui sont pro Lopez toute l'année, je vais marcher avec eux samedi, je te le dis. Et pourtant, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé cette année par rapport à mon club, parce que je n'ai rien reconnu. Mais par contre, on sera capable demain, ça j'en suis persuadé, d'avoir une communauté de fidèles. Il faudra les bonnes personnes, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que entre personnes intelligentes, c'est ce qui va. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Moi, c'est ce que je souhaite et je suis persuadé que c'est ce qui va se passer à Bordeaux. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir repartir sur des bases locales, régionales. Les gens qui aujourd'hui transmettent l'identité du club, l'histoire du club, c'est la population. Je veux dire, c'est pas X ou Y, c'est la population en elle-même, c'est les supporters de tout horizon qui, eux, transmettent cette passion et ce passé. Et c'est par là que tu peux renaître. Encore une fois, moi, je prends cet exemple de Strasbourg parce que je le connais très, très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris une figure locale, bon, en plus, qui était ancien joueur. Donc, ça aide forcément un peu plus. Mais je veux dire, il a su rassembler. Et de toute façon, c'est par le rassemblement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour revenir à Bruno, s'il prend cette décision-là de poser quelque chose en N3 pour reprendre le club en N3, s'il faut, ce sera... de toute façon, même l'an dernier, c'était comme ça. Son projet l'an dernier, on en avait parlé chez vous l'année passée avec lui. Le projet était basé là-dessus, sur justement la régionalisation et la force de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde qui doit permettre de structurer le club avant tout et de maintenir le club. Donc par les anciens joueurs, par les forces entrepreneuriales locales, c'est par ces gens-là. Par un maillage avec les clubs régionaux.
Mais très important. Bah, nous, ça faisait partie du projet. On en avait d'ailleurs, je t'ai descendu à Bordeaux pour qu'on puisse en discuter. C'était dans la priorité des choses. Et encore aujourd'hui, si projet il y a, ça fera partie de la chose. Il faudra créer des liens forts avec tous ces clubs que j'ai découverts, moi, parce que je suis pas originaire de Bordeaux, mais des clubs comme Saint-Jean-Médard ou dans le sud, là, en dessous de Bègles, j'étais allé à... Je sais plus. L'Adornant. Voilà. Voilà. Saint-Médard-Angèle, c'était l'autre. Bon, ouais, va falloir que tu révises les noms. Hein. Bon, tu m'as compris. Voilà. Tu veux qu'on parle des noms alsaciens? On y va en prenant les noms. T'as raison, pardon. Mais c'est vrai que c'est très important. Voilà, c'est très important de c'est par l'ancrage que tu vas t'en sortir de toute façon. Ouais. Et pour vraiment casser l'image que tu as aujourd'hui du foot business qui est ancrée aujourd'hui à Bordeaux, et ça il faut le dire, elle est ancrée, et ben il va falloir passer par là. Il y a juste un truc que je... Ouais, vas-y Joe, et après on a une nouvelle personne qui arrive, d'autres qui partent. Vas-y. Non, c'est juste d'accord pour l'ancrage local, etc. Et tout, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que si un jour il y a un repreneur, que ce soit Bruno Févier ou un autre, peu importe, j'ai l'impression qu'il ne fera jamais l'unanimité en fait, au départ. Ce qu'il faut, c'est un catalyseur. C'est quelque chose qui se permette justement à la communauté, effectivement, Gironde, de se rassembler, parce que je ne l'ai jamais vu autant divisé. Et j'ai rarement vu un club autant divisé. Mais parce qu'on était tellement ridicule, tellement mauvais dans l'image, on s'est tellement foutu de notre gueule qu'à un moment donné, où. Il y en a qui vont s'en prendre à telle personne, d'autres à telle personne, etc. Là, il y en a qui s'en prennent à la DNCG, il y en a qui s'en prennent à Lopez, il y en a qui s'en prennent à M6, etc. En fait, tu sens que ça part un peu dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est un catalyseur, c'est un personnage ou un moment ou je sais pas, quelque chose qui permette à tout le monde de se rassembler et de se retrouver dedans. Alors, effectivement, il y en a qui parlent de Gires, de Miku, peu importe. Peut-être un coach qui te dit même à un 3 où tu. Voilà, peut-être une personnalité et pas forcément un ancien joueur. Hein. Mais qui est investi effectivement dans ce club et qui a. Qui est capable de voir tout ça. Voilà, qu'il faudrait, c'est pas qu'il y ait un lien avec les Girondins, avec le local, avec, je sais pas, avec nous, tout simplement, avec les supporters, qui te permettent de dire, ouais, là, il y a quelque chose qui fait qu'on se reconnaît dedans et que du coup, ben, on va se concentrer dessus et là, ça peut le faire. À l'heure actuelle, malheureusement, peu importe le repreneur, il va falloir qu'il réfléchisse à ça parce que s'il n'a pas ce catalyseur-là, pour moi, il n'arrivera pas à avoir, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, le mouvement global qui va avec lui. Mais tu as tout à fait raison. Et puis le mouvement, de toute façon, se traduira, que tu le veuilles ou non, parce que c'est le sport, ça se traduira par les résultats. Le mouvement se fera aussi par là. Évidemment. Après, ça sera la psychologie. C'est certain. Mais un Planus, par exemple, ça serait une très bonne idée. Le Planus, je rejoins. Mais comme François, qui était déjà dans le projet de Bruno, voilà, il y a différentes personnalités. Et il faut ces gens-là, parce que c'est ces gens-là, justement, qui te permettent de garder l'ADN bordelais. Voilà un petit peu. Bon, mais pour finir, merci, Nico, je voudrais juste, juste un petit mot pour finir, parce que, très rapide. Moi, je dois juste apporter mon soutien un peu à tout le monde. Alors, je sais que moi, de l'Est de la France, j'apporte juste mon soutien à tous ces salariés, ces supporters. Les féminines et les jeunes qu'on oublie beaucoup, je parle surtout des féminines, on n'en parle pas beaucoup, et je pense qu'elles peuvent être très inquiètes aujourd'hui, et donc j'ai une grosse pensée pour eux, et puis aussi tous les gens qui sont touchés indirectement par cette faillite collective, si elle a lieu, tu vois, que ce soit les restaurateurs, les commerçants, les entrepreneurs de tout azimut, parce que moi j'ai connu à Strasbourg, ça a été vraiment une bérésine autour de la méno, du fait que le club s'était cassé la gueule, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'économie est quand même très importante autour, et fait vivre beaucoup de gens, pas que dans le club, et puis même des gens comme vous, voilà, qui avaient toujours été dans l'analyse, la neutralité sur beaucoup de sujets, voilà, vous êtes aussi pendu à un fil en ne sachant pas ce que l'avenir peut réserver. Donc moi je souhaite juste apporter mon soutien à vous tous et vraiment un bel avenir à vous tous aussi, et je l'espère avec les Girondins très vite pour vous. Voilà. Et bien sur ces belles paroles. Merci Guillaume. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Cette interview menée par Laurent. Non, après on va dire que je contrôle la parole de Google. Oh, Laurent, non, mais écoute, c'était super. Hein. Très bien. Non, non. Ah, oui, et Laurent, on va te libérer, Laurent. Tu vas partir à 21h, 21h30. Merci d'avoir été avec nous. Oui, je vais peut-être aller à la rubrique foot. Je suis à l'équipe. Je vais peut-être aller à la rubrique foot, voir s'ils sont intéressés, parce que moi, j'ai appris qu'il y avait 40 millions d'euros de fonds propres que Gérard Lopez n'aurait pas accepté. C'est intéressant. Juste une chose, que le club reparte au niveau où il doit repartir. Mais voilà, je vois des gens qui essaient de se mobiliser. J'en ai d'autres qui ont essayé de m'appeler aujourd'hui, qui essaient de se mobiliser, dont vous. Et je sais que vous êtes très triste. Moi, paradoxalement, hier, j'étais pas si triste que ça parce que c'était la suite logique.
je pense que ils reviendront. Voilà, c'est tout. Ils reviendront et puis après. C'est pas fini. On sera toujours là nous aussi en faisant les vidéos aussi. Même s'ils sont en National 3, même s'ils sont plus bas parce que c'est possible aussi. C'est le plus grand plaisir que je viendrai parce que j'essaierai toujours de regarder les matchs et Girondins, voilà, quel que soit le niveau. Donc voilà, vous pouvez toujours m'appeler, ça sera avec le plus grand plaisir parce que vous êtes des gens passionnés et passionnants. Voilà. Et bien, merci Laurent. Allez, bon courage. Merci d'avoir participé à cette émission. Moi, désolé pour le départ. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Regarde, on va accueillir trois autres personnes. Allez, salut Laurent. Messieurs, on est quatre. Il faut on va être tout d'un coup. Minimum, là. On va passer. Ah mince. On va passer à. Ça prend le RER, dis donc. Voilà, on les accueille. C'est quasiment pas beau. Salut les gars. Salut les gars. Chez lui. Ça fait plaisir. Samuel. Et on accueille Antoine Chouanard qui est là. Salut Antoine, ça fait plaisir de te voir. Salut tout le monde. Et Monsieur Secta qui est là. Salut Secta, ça fait aussi très plaisir de te voir. Bonsoir les amis. Mais à moi aussi. À moi aussi. Bon, même si on prend notre plaisir en ce moment. Voilà. Et tu sais que Nico, j'étais du coup avec Laurent, il y avait un trottoir qui nous séparait. Hein, donc vu que j'avais des soucis notamment de connexion, j'aurais juste eu à traverser la rue et ça aurait été pas. Tranquille. C'est pas loin. Vous travaillez l'un à côté de l'autre. L'équipe et Canal, c'est en face maintenant. Ouais. Pas pour longtemps, parce qu'il va y avoir un déménagement bientôt, mais c'est en face. Ouais. Ah, d'accord, ah, très bien. Oh, tu vas Mercato pour toi ou pas? Tu vas passer de l'équipe à Canal? Non, j'en sais rien. Moi non plus, c'est mes agents qui m'occupent. D'accord, bon. Et puis il y a Admar Lopez qui va rejoindre l'équipe, donc du coup, les transferts vont prendre du temps. Bon. Allez, envoyez-moi du like là, 1200 personnes sur YouTube, 398 likes, envoyez-nous de la force, on est encore ensemble pendant... personnes de tout réseau confondu, on est entre 1300 et 1400 depuis tout à l'heure, ça bouge pas mal. Donc, merci à vous, comme je dis, on se serait bien passé de faire cette émission, mais bon, on est là, donc autant la faire du mieux qu'on peut. On va continuer. Antoine, tout d'abord, ta réaction, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Ton sentiment après cette décision, voilà, on t'écoute, on est tout oui. Ouais, bah écoutez, j'ai pas d'analyse à porter moi sur les questions financières, hein, sur la décision de la DNCG parce que j'ai pas les compétences. C'est plutôt bien sûr des émotions ressenties et d'ailleurs un peu de la même manière que mince, j'ai oublié le prénom, Laurent, je crois, qui était avec nous il y a quelques instants. J'étais un peu sans réaction, en fait, hier. Je n'étais pas forcément triste hier, parce que je m'y suis préparé, en fait, d'une certaine façon. Et pourquoi sans réaction? Parce que je me dis qu'en fait, ça fait 2 ans que je réagis même de moins en moins quand je regarde les matchs des Girondins. Quand les Girondins marquent des buts, quand on encaisse des buts, et qu'il y a une forme en fait de résignation malheureusement qui s'est installée. Je pense chez pas mal de supporters aussi parce que l'issue était peut-être inéluctable. On était un peu aussi même d'une certaine façon dans l'acceptation des défaites en fait qu'on a analysées dans les débriefs à chaud, les émissions le lundi, le jeudi aussi dans le grand temps quand on le faisait avec Patrick, Philippe et les autres. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on m'a dérobé, qu'on m'a volé ma passion. Je le disais hier soir sur les réseaux sociaux et tout ça, bien sûr, depuis l'arrivée de GACP. J'ai souvent l'habitude aussi de dire, voilà, je me revois un petit peu ado, vibré pour les Girondins. Chaque week-end qui tournait vraiment autour de ça, les joies des victoires, les joies, les peines des défaites, bien sûr, les déplacements au Hayan aussi, où tu vas rencontrer les joueurs, où tu attends impatiemment de pouvoir prendre une photo avec eux, d'avoir un petit autographe, les approcher, construire du lien avec eux aussi. Et tout ça, ça n'existait plus, bien entendu. Je dis rien de nouveau ici. Mais voilà, ces valeurs des Girondins ont disparu. Donc, comment voulez-vous, en fait, qu'un ado, je me revois voilà, ado, comme je le disais, comment voulez-vous qu'un ado en 2022 ressente, moi, ce que j'ai ressenti pour ce club quand j'étais adolescent? Je pense pas que ça soit possible.
Donc, je me dis d'une certaine façon, et je voyais un petit peu d'élan d'optimisme d'une certaine façon, et c'est vrai qu'il y a toujours cette thérapie de groupe lors de ces émissions qui nous aident toujours, mais c'était bien de voir un petit peu d'optimisme, même si c'est difficile de se projeter. Je crois que c'est Patrick qui le disait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à quoi bon, en fait, continuer comme ça? Parce que ça faisait depuis un an, voire plus, qu'on était sous perfusion. Est-ce qu'un revirement de situation au final et donc un maintien en Ligue 2 aurait permis de changer quelque chose, de repartir sur des bases saines? La réponse, c'est que tant qu'il y a ces personnes-là qui sont à la tête du club, évidemment que c'est non. Et en plus de ça, alors, on a appris quelque chose par l'intermédiaire de Guillaume, qui, alors bien évidemment, il faudra donner aussi la parole de l'autre côté, hein, mais, ouais. mais ça prouve bien quand même qu'a priori, ce club est gangréné. Et c'était une issue inéluctable. Donc voilà, c'est difficile de se projeter. Mais voilà, j'essaye de faire partie un petit peu de cette école. J'entendais Geno qui était positif tout à l'heure. J'entendais aussi Laurent, enfin, qui essayait de chercher du positif. C'est difficile d'être positif, mais on essaye de chercher du positif. Et j'ai envie quand même de voir du positif dans cette sombre histoire. Je suis évidemment triste parce que voilà, on tourne une page énorme, un chapitre énorme. Et j'ai évidemment une pensée aussi pour toutes les personnes salariées, tous ceux qui sont affectés de près ou de loin par, par cette situation catastrophique d'un point de vue professionnel. Et j'ai une pensée aussi, parce que j'en fais partie, pour les supporters qui sont basés aussi loin de Bordeaux, mais qui aiment tout autant ce club. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la force de ce club. Aujourd'hui, il y a des supporters partout dans le monde. Je suis expatrié pour le coup. Et j'ai une pensée pour tous les expatriés qui ne pourront pas être là samedi, le cœur sera là en ce qui me concerne. Je ne sais pas si ça changera grand chose, mais en tout cas ça démontrera la puissance de ce club et ça permettra peut-être de ficeler quelques éléments pour la suite des Girondins de Bordeaux. Oui, et on s'associe à tous les expats qui sont sociaux. Mmh. Je m'associe à toi là-dessus parce qu'on pense à Alain, dont c'est l'anniversaire, qui est en Bretagne. Parce qu'on se connaît aussi, ça a créé du lien, tout ça. À Romain, qui est à Toronto, à Secta, à qui je vais donner la parole dans un instant, qui est à Lyon. C'est vrai que je pense qu'ils aimeraient être là samedi pour la marche de la survie. Merci Antoine pour tes mots. Secta, on t'écoute. Comment ça va? Quelle est ta réaction? C'est moi qui te l'ai pris au téléphone, je crois, hier. Oui, hein. Oui. J'avais une longue journée hier. Et dites-vous, c'est un peu comme Antoine. Je ne sais pas, je savais qu'il y avait cette décision qui devait être rendue, mais j'ai fait ma journée comme avec une forme de détachement. Une forme de détachement qui est peu commune habituellement pour moi concernant les Girondins de Bordeaux. J'avais une forme de distance que j'avais mis avec cette décision. En toute franchise, je ne pensais pas que ça allait arriver. Je ne pensais pas, parce que là, c'est vraiment la Bérézina. C'est au-delà de toutes les projections que franchement, je pouvais faire. Et en fonction de ce que je savais ou pensais savoir, en fait, de ce que je pensais savoir ou pensais avoir compris du club, je me projetais pas du tout sur ça. Donc je rentre tranquillement, effectivement on échange et tu me dis ça et ouais, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on est certainement, on doit tous vivre la même chose. Ça fait tellement longtemps qu'on prend des coups de bâton que finalement au bout d'un moment peut-être qu'on sent plus rien. On sent plus rien et donc ben voilà, j'étais là déçu, mais donc, j'ai quand même pris la soirée pour intégrer tout ça. Et maintenant, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu comme tout le monde, un peu groggy, comme un boxeur qui s'est pris un KO la veille, hein, qui c'est le lendemain que tu réalises ce qui s'est passé, que tu es tombé, que tu as perdu ton titre, que tu as tout perdu, que tu n'es plus le champion, même si on n'était pas champion, mais voilà, quoi. Et oui, je suis d'accord pour dire que c'est le moment de se ressouder, de se retrouver, de penser à ce qui est essentiel. C'est le club, c'est la passion, c'est l'amour qu'on a pour cette institution. Et très franchement, vu que maintenant tout ce qui se passe est très technique, je suis un peu largué.
je suis un peu largué. Parler, mais on va faire les grandes lignes après. Voilà, c'est des gros sous, c'est des dossiers, ce sont des commissions. Bon, alors je regarde un peu tout ça, comme c'est surréaliste, les amis, c'est surréaliste ce que je dis là. C'est surréaliste, Bordeaux. Un des clubs qui a le plus de matchs de Ligue 1, le plus de matchs en Coupe d'Europe. C'est quoi cette histoire? C'est surréaliste. C'est comme s'il y avait un vaisseau spatial qui était venu se poser juste au-dessus de chez moi. Je ne sais pas. Comment me comporter, en fait? Si c'est Gérard Lopez qui pilote le vaisseau spatial, fais gaffe. Il va s'écraser, je vais me le prendre sur le coin de la tête. Il aura vendu le vaisseau avant que tu t'écrases. Il aura vendu les pièces du vaisseau avant de l'avoir construit. Il y en a 4 ou 5 des vaisseaux. Il aura vendu ça avec. Le trading de vaisseaux, quoi. Ouais, les bouteilles de rhum derrière. Je vois qu'il y a Philippe qui les voit, des bouteilles de rhum. Désolé, on se fait comme ça, les gars. J'en ai descendu un petit peu là, déjà. Il fallait bien ça. Avec modération. Hein. Oui. Bon, ça fait plaisir. Il a dit aussi que ça devenait technique et que c'était dur, et Franck Sergio a dit pareil. J'ai eu peur que tu me dises autre chose. Je crois que j'en ai plus. Technique et dur, ça me fait penser à d'autres choses. Mais bon, on s'éloigne. Ouais, moi, ça me fait penser à Jean-Eddy hier, quoi. Mais bon, c'est un peu le même sentiment, quoi. Allez, on reprend. Ben, merci, messieurs, d'être là. Samuel, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Guillaume, quand même? J'étais sur le trajet, mais j'ai tout écouté. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je comprends pas, là. Il va falloir une explication. Ouais, il va falloir une explication, mais de tellement de choses. Parce que oui, l'explication de pourquoi ils n'ont pas accepté à ce moment-là, mais aussi de l'explication de pourquoi Bruno Fievé, à partir de la semaine dernière, il est devenu avocat au barreau de Bordeaux pour Gérard Lopez. Enfin, il y a quand même, en fait, il y a tellement de choses depuis un an et demi, et même on pourrait remonter plus loin, mais depuis un an et demi, depuis qu'on sentait que le conflit entre Longue Épée et les Ultras allait conduire à une explosion entre guillemets du club, parce qu'à un moment donné ça pouvait plus être tenable, et surtout que King Street prenait tout le monde pour des cons. Il y a tellement eu de choses inexplicables et qui méritent des dissertations, c'est de les comprendre, que moi, ce qu'il dit Guillaume, oui, c'est une bombe, mais j'ai l'impression que c'est une bombe de plus à laquelle personne n'a été capable de voir jusqu'où et quelles étaient les conséquences de l'explosion. Et voilà, donc moi ça m'emmerde encore plus, parce que j'ai l'impression que maintenant ça va être aussi le bal de tout le monde qui va se dédouaner ou se chercher un petit peu la bonne excuse. Voilà, on a déjà vu Rigaud la semaine dernière, Guillaume nous dit ça aujourd'hui. Moi, je le crois, Guillaume, pas parce que, même si ça a pu être le fantasme de certains moments, pas parce qu'on a soutenu X ou Y, une personne d'ailleurs, pendant ce soir, enfin, chaque personne individuellement, ou même l'émission en elle-même, n'a soutenu personne. Donc moi, ce n'est pas une question de soutien, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tous les langues se délient et que, voilà, on se rend compte qu'il va y avoir des dingueries, je vais utiliser ce terme-là, un peu partout, y compris dans ce qui s'est passé sur les derniers mois avec les potentiels investisseurs. Et c'est là, moi, où j'en veux le plus à Gérard Lopez, c'est que moi, la loi du sport, elle ne me dérange pas. Être en Ligue 2, c'est horrible. Mais c'est la loi du sport. À un moment donné, comme on disait il y a quelques instants, comme notamment le disait Antoine, quand tu as une phase où tu es catastrophique et que la phase d'après, tu deviens catastrophique, mais en plus fade, c'est-à-dire, quand je dis fade, c'est-à-dire que tu ne provoques plus rien chez les gens. Quand tu es mauvais, c'est pas étonnant. Et quand tu es bon, bah, ça ne donne même pas envie de se lever de son siège. C'est pas étonnant que ça explose et que tu finisses en Ligue 2. Moi, la loi du sport, je l'accepte. Ce que je n'accepte pas, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de choses depuis un an et demi, depuis 3 ans, depuis 10 ans, qui ne sont pas claires au club. Et là, on pourra nous parler d'M6, il y a beaucoup de choses à dire. On pourra nous parler de King Street, de Dagroza, il y a beaucoup de choses à dire. Mais désolé, cette année, on a perdu au niveau de la loi du sport et au niveau de la loi aussi tout court. Donc moi, je suis désolé, mais j'ai quand même le sentiment que depuis un an, on a le pire du pire, et on en reparlera dans l'émission. Enfin, moi, en tout cas, j'en redirai un mot parce que maintenant, j'ai envie d'en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui se sont fait berner. Mais ce qu'on a eu cette année, franchement, c'est le pire du pire, parce qu'on en a eu des années compliquées à Bordeaux. Mais une année où sur le terrain, tu es dernier de Ligue 1 et administrativement, tu es le vilain petit canard et tu es celui qu'on fait descendre tous les échelons parce que
arrive à deux échéances importantes avec un dossier vide, alors que visiblement, il y a eu pas mal de solutions, là, t'as tout faux. Là, t'as tout faux, c'est une catastrophe, c'est indéfendable, et c'est pour ça qu'on en reparlera plus tard, mais y a quand même pas mal de choses à dire et pas mal de personnes qui vont devoir se remettre en question et se dire qu'ils se sont fait avoir, que ça arrive à plein de gens bien, mais que maintenant, il est temps de se mettre une grosse claque dans la tronche et de se réveiller. Quels sont les scénarios possibles ? Allez, je vais regarder ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Alors, on va la faire courte. Hein. Ouais. On va la faire courte et rapide. Exemple de... Alors, c'est un appel. Alors, j'avais pris des notes, bien sûr, j'ai tout effacé. Un appel devant le CNOSF qui va être fait, Comité National Olympique du Sport, et ensuite, peut-être, tribunal administratif. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario le plus positif. Il faut combien de temps pour avoir un retour, Nico, à ça ? Je vais vous donner des exemples, puisqu'au bout, appel devant le CNOSF, conciliation devant le CNOSF, et après, dès qu'il a fait sa conciliation, tribunal administratif selon le résultat de la conciliation devant le CNOSF et résultat administratif devant un tribunal administratif. En gros, hein, je ne suis pas juriste, hein, mais c'est ça. Et après, ben, la décision, elle tombe. Soit tu es réintégré en Ligue 2, soit c'est National 1, mais comme ça ne tiendra pas, d'après tous les experts, ça sera National 3. Exemple de Lens en 2014, retoqué par la DNCG le 17 juillet, entendu par le CNOSF le 23 juillet. C'est en 2014, ils ont mis 6 jours. Donc, rôle d'arbitre du CNOSF. Et le 28 juillet, Lens avait pu réintégrer la Ligue. Donc, je me souviens plus d'ailleurs de cette intersaison, ce qu'ils avaient fait. Je me souviens plus, je ne sais pas vous, mais de cette intersaison, parce que 28 juillet, ça veut dire 10 jours avant la reprise de la Ligue 1, je ne me souviens plus au niveau des instances comment ça se passait, si Lens avait, enfin, si le calendrier était bloqué sur Lens, s'il y avait une équipe qui avait été promue. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce précédent-là puisse… En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre cas, contrairement aux autres années, la Ligue 2 peut se faire à 19, ce n'est pas un problème. Donc, parce que les autres années, il y avait aussi la pression… De, ok, oui, ce club-là fait des recours et essaye de sauver sa peau, sauf qu'en fait, il y en a un autre qui attend dans chaque division pour savoir où il va. Et donc là, en fait, tu pensais aussi à ces deux clubs qui étaient un peu qui subissaient des dommages collatéraux et pour lesquels il fallait des réponses rapides. Là, aujourd'hui, Bordeaux, en fait, si Bordeaux n'est pas en Ligue 2, ils sont à 19. Donc, en fait, dans l'état actuel, à l'instant T, ça ne changera rien en championnat. C'est presque ce qui peut nous sauver. Le bordel que ça mettra, parce que Villefranche a déjà annoncé qu'ils étaient en Ligue 2. Enfin, son président a déjà tweeté, je crois. Mais il est de la merde. Est-ce que le tribunal administratif, le CNOSF, la Ligue et tout ça vont pas se dire, moi, si on met Bordeaux en N3, on va te foutre un bordel dans le reste, ça va faire jurisprudence, machin. Et la conciliation, finalement, on va l'accepter. C'est le seul espoir que j'ai, moi, honnêtement. Non, mais Villefranche, ils peuvent tweeter ce qu'ils veulent. Bien sûr. La Ligue aujourd'hui, enfin, c'est pas la Ligue d'ailleurs, mais aujourd'hui, il n'y a aucun communiqué qui dit que, et même depuis la relégation de Bordeaux au premier, qu'il y a un club qui est promu. Donc, il peut dire qu'il est en Ligue 2. Moi aussi, je suis en Ligue des Champions sur ma PlayStation. Mais c'est dans mon monde, quoi. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Donc, il y a eu ce précédent Lens en 2014 et Nice en 2002. Il y a aussi beaucoup de clubs qui se sont cassés le nez sur cette procédure. Pour le dire. Hein, voilà. Jouer en N1 et jouer en N1 est quasiment impossible. Un scénario sans un nouvel actionnaire, est-ce que c'est faisable dans les temps ? A priori, non. Après les experts et tout ce qu'on peut lire. Liquidation et retour en National 3, ça veut dire début de championnat fin août, si c'est National 3 ou début septembre, parce que là, ça veut dire liquidation du club. Ça ne va pas se faire en un mois, la liquidation du club. Ça voudrait dire que même peut-être, quand tu discutes avec des gens qui l'ont déjà vécu, peut-être même que le début du championnat de National 3 sera reporté pour Bordeaux, parce que le club ne va peut-être pas pouvoir se structurer tout de suite. Non, mais on n'imagine pas. Il faut des locaux. Si c'est ça, c'est une catastrophe. Hein. Donc, ça, c'est les scénarios possibles. Il n'y en a pas 50. Et donc, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, sur les scénarios. Joe, je ne sais pas si tu veux prendre la parole là ou pas. Je te vois, j'ai envie de te donner la parole. On parle d'un inconnu, de toute façon, autant qu'on est, de toute façon. Donc, voilà, maintenant, moi, de toute façon, la Ligue 2, j'y crois plus depuis hier. Moi, je me suis fait une raison, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et de toute façon, si c'était pour repartir en Ligue 2 avec les mêmes personnes, comme je l'ai dit, et de toute façon, c'était pour reculer, pour mieux sauter, et encore se faire une année où on se fait balader dans tous les sens, où on se fout de notre gueule, où clairement, regarder les Girondins n'a aucun intérêt. Donc, moi, ce que je dis, c'est que l'espoir que j'ai, entre guillemets, c'est que ce qui se passe, qu'on soit en N3,
Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça me fait chier, mais bon, voilà. Là, entre guillemets, c'est ce qu'on peut faire, c'est que nous, en tant que passionnés, en tant que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la capacité de le faire, etc., c'est qu'il y a une possibilité, effectivement, de reconstruire un club qui est sain et qui appartient un petit peu au peuple des Girondins. Et c'est à Bordeaux, et à la ville de Bordeaux. C'est ce qu'on a perdu à l'heure actuelle. Et moi, je pense qu'il y a une opportunité là derrière, c'est justement qu'on puisse se réapproprier le club et retrouver un peu cet esprit. Parce que, comme le disait Antoine, quand tu regardes un match des Girondins depuis 2-3 ans, tu ressens pas d'esprit, tu ressens rien. Tu ressens pas d'amour pour ce que tu vois de toute façon. Donc, si c'est pour passer une année de Ligue 2 avec Gérard Lopez, Admar Lopez et une équipe pour laquelle tu ressens rien, mais autant partir à N3. Je suis désolé, moi je le vois comme ça, ça. Et ça me fait chier de le dire. Là, ça me fait chier de le dire. Pas de cet avis, non, mais non, je on est d'accord. Annulé. Moi, je ne suis pas de cet avis. Si j'avais le choix, je te dirais oui, on reparle de suite, et même en Ligue 1, si je peux. Avec un autre entrepreneur. Voilà, tout à fait. Mais le problème, c'est que tu ne l'auras pas. On le sait très bien que Gérard Lopez, jusqu'au bout, s'il doit tomber, il tombera avec les Girondins de Bordeaux. Point. Maintenant, ça, il faut l'accepter, hein, de toute façon. Donc, malheureusement, je préfère avoir Girondins de Bordeaux à N300 Lopez que Girondins de Bordeaux à Ligue 2 avec Lopez, parce que je sais très bien que. L'an prochain, Antoine. Dans 2 ans, on sera toujours dans la même merde, de toute façon, et qu'à un moment donné, le coup près va tomber. Donc, autant qu'il tombe de suite, ça ne sert à rien d'attendre, comme le disait justement Samuel tout à l'heure. On n'en peut plus de voir cette chute qui n'en finit pas, et à un moment donné, fatigué. Autant qu'on se casse la gueule, et puis c'est bon, c'est fini, et on repart. Basta. Puis ça nous évite les discours. Ça nous évite les discours complotistes aussi, comme depuis hier. Un tel nous en veut. Non, voilà, à un moment donné dans la vie, quand tu as ce genre de situation, tu as 2 manières de l'appréhender. Soit tu es honnête et tu te regardes en face et tu dis ça fait 10 ans, 15 ans que mon club fait n'importe quoi et un an qu'il est détenu par, désolé du terme, un escroc, clairement, qui n'a pas d'argent et qui est arrivé bon, en faisant que des promesses. Non, mais. Toi qui n'as jamais été condamné. Ah, non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Mais là, j'ai jamais été condamné. Et qu'en plus, lui, c'est le pro des procédures judiciaires. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, tu te prétends propriétaire de Bordeaux. Tu n'as pas mis un euro dedans. Enfin, on se comprend. En tout cas, tu n'as pas fait le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que le club reste au monde professionnel. Bah, c'est de l'escroquerie footballistique, s'il veut. Voilà, comme ça, il ne pourra pas m'attaquer et me faire chier. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as 2 manières de voir les choses. Soit tu te dis, on se regarde en face aujourd'hui, on fait n'importe quoi, et quelque part, que ce soit sportivement ou administrativement, on a cherché notre sort, notre destin. Soit tu te dis, ah, c'est un complot, la DNCG veut éteindre Bordeaux, le CLOSF, de toute façon, Hollande. Et ça, on va l'entendre, Samuel. Hollande est intervenu pour Lens, et donc comme Macron est pour l'OM, il ne va pas intervenir pour Bordeaux, on va entendre tout et n'importe quoi. À un moment donné, arrêtons de vivre dans le complot et de toujours accuser les autres de ses malheurs. Regardons-nous en face aujourd'hui. Ah, mais je pense que tout le monde est conscient. Pas encore tout le monde. Ça aussi, c'est une question de personnalité et d'éducation. Tu as des personnes qui assument leurs erreurs comme leur victoire, et tu as des personnes qui sont lâches. C'est toujours la faute des autres. Et ça a été un peu le cas d'ailleurs cette année. Hein. Ça a toujours été, même si moi j'ai critiqué certains choix, mais c'était les arbitres, c'était machin, c'était si, c'était le Covid, c'était. On avait toujours un coupable. Ou les joueurs, voilà, il y avait les joueurs qui ne veulent pas, ils n'aiment pas. On avait toujours un coupable pour lui faire porter le chapeau. La vérité, c'est que non, on s'est planté nous-mêmes. Il faut le dire à un moment donné. C'est dit. Antoine, et après Sektar, ils veulent vous les réagir. Ouais, en fait, intéressons-nous aux faits. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec Samuel là-dessus. On a un peu ras-le-bol de discuter de tous ces aspects qui sont assez inintéressants. Et malheureusement, d'ailleurs, on ne parle plus de sport quand on parle des Girondins, ce qui est quand même fortement pénible. Moi, n'étant pas du tout un expert de la finance, j'ai du mal à suivre certains sujets, comme le disait Sekta tout à l'heure d'ailleurs aussi. Mais je crois que c'est important aussi de mentionner pourquoi ça serait la N3. Et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais moi, ce que j'ai compris, c'est parce qu'on a l'équipe réserve en fait qui est en N3, donc même là-dessus, c'est ça ? Ouais. Tu pars au niveau de ton équipe réserve, voilà. Chez les garçons et chez les filles, quand tu perds ton statut professionnel. La problématique, c'est que là-dessus, on n'a pas été foutu au final, de maintenir une équipe en N2 ou de la faire monter d'ailleurs. Donc même là-dessus, on s'est planté au cours de ces dernières années. Je ne sais pas quand date la dernière relégation, mais quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux, et là, je crois qu'on a perdu en gros la montée, et on était plutôt bien parti en début de saison, si je me souviens bien, avec un TJ qui était plutôt en forme. Qui marquait pas mal de buts, et au final, on s'est fait voler la vedette par le Stade Bordelais, il me semble. Donc, dans cette histoire, si on descend effectivement à N3, on perd un an, et c'est quand même dommage également. Et les après, filles descendraient en régional. Après, attention, si on fait une fusion avec le Stade Bordelais, on va pas en N2, du coup on va pas faire une fusion avec le Stade Bordelais. J'ai, non, après, j'ai, j'ai...
Gérard va trouver la solution. Stade Bordelais des Girondins, non. Juste une petite précision. C'est important de le dire, ils ont supprimé la R1. Donc je ne sais pas où en est cette demande. Ah oui, demande. Donc on part au plus bas niveau, comme ils ont supprimé, parce que ouais, on a des génies là aussi. Donc est-ce que la réserve a été officiellement supprimée ou pas, je ne sais pas. Ils l'ont annoncé, mais est-ce qu'au niveau des instances c'est fait? Et mec, c'est des génies. Quoi. Tu repars, alors je ne sais pas quel est le plus bas niveau de foot féminin, j'en suis désolé, mais tu repars en troisième série district. Quoi. District, ouais. Et il y avait en plus de ça des rumeurs quand même de suppression de l'équipe de réserve également. Oui, heureusement qu'ils ne l'ont pas supprimé. Donc là, ça aurait été la cata. Mais on a tout fait à l'envers. Et c'était l'année où la LFP t'amenait de l'argent en plus, tu vois. Ouais, donc, il ne fallait pas descendre. Hein. Nous, on cumule. Quoi. Moi, juste une petite précision par rapport à ce que j'ai juste à apporter avant de laisser la parole. Oui. Je rêve pas d'avoir le Girondin de Bordeaux en N3. C'est pas un souhait. C'est entre guillemets, par rapport au constat actuel. Je me dis, qu'est-ce qui, entre guillemets, me fait dire que je pourrais retrouver un peu l'amour des Girondins et retrouver quelque chose qui m'intéresse? C'est la N3, pas la Ligue 2 avec Gérard Lopez en tout cas, même si je préférais Bordeaux en Ligue 2. Il y a quand même un risque, effectivement, c'est qu'on ne revoie jamais les Girondins de Bordeaux un jour professionnel. Faut pas se voler la face aussi par rapport à ça. Je me dis que les Girondins de Bordeaux et la ville de Bordeaux ont quand même la capacité d'avoir un club professionnel en foot, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais voilà, il y a quand même ce risque-là aussi, attention, la N3, c'est pas un cadeau, attention. C'est vraiment pas un cadeau, malheureusement, mais je me dis que malheureusement, vu la situation et vu tout ce que j'ai pu voir et vu le désamour que j'ai actuellement pour, entre guillemets, les gens qui gèrent ce club et l'image que j'ai du club, être en Ligue 2 avec cette image-là ou être en N3 avec une image qui me paraît un peu plus intéressante, malheureusement, je prends la N3 faute de mieux. Voilà. Allez, il y a une mobilisation, du coup, un rassemblement à l'initiative des Ultramarines, des supporters, samedi 16h, place Péberlan, pour une marche pacifiste, pas de discours, marche de la survie. Tous les supporters sont appelés à venir marcher pour exprimer leur amour pour le club. Voilà, donc marche pour montrer une mobilisation des Girondins et influer peut-être sur les pouvoirs publics, même s'il y a une infime chance que ça fonctionne, puisqu'on a vu aussi des politiques qui se sont mobilisés. Alors, on s'entend, ils ont fait un communiqué. Hein. Urmic et Anziani qui en appelle à la ministre des Sports. Après, on ne sait pas ce qu'ils font en coulisses, nous on ne voit que les communiqués. Voilà, donc ça. Nicolas ça... Florian aussi, Nicolas, qui est très présent sur le dossier. Monsieur Florian, l'ancien bienfaiteur qui nous a amené les Américains. Juppé, on l'a pas entendu du coup. Voilà, il était dans l'équipe Juppé. Droit de réserve. Il a amené JACP quand même, assez extraordinaire. Alain Juppé, droit de réserve, conseil constitutionnel, il ne peut pas s'exprimer. Ça tombe bien pour le coup. Donc voilà, il y a une mobilisation, j'ai envie de dire totale, mais on a vraiment le sentiment que c'est un peu tard, que la sonnette d'alarme n'a finalement pas été tirée assez tôt. Est-ce qu'il y aura Pierre Urmic, je ne sais pas. On va lui rappeler les mouvements qui l'ont fait élire. Donc il était venu à nous, les Girondins, je m'en souviens. Gino, il sera. Il y a beaucoup de monde qui se rend. Allez-y pour soutenir le club, si vous le souhaitez. Et puis voilà, c'est peut-être la dernière chance de montrer une mobilisation populaire. Il faut quand même que... Moi, je pense, c'est mon avis, et je me permets de le dire. Souder. Voilà, je pense. Vous parliez tout à l'heure pendant que j'étais, j'écoutais, je sais plus si c'était Laurent ou Guillaume qui parlait de. Non, c'était Patrick, pardon, qui disait que c'était aujourd'hui, on voyait un club qui était vraiment ultra divisé, sans mauvais jeu de mots. Effectivement, moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait un dialogue entre tous les supporters girondins. Enfin, entre tous, on se comprend. Hein, on ne pourra pas mettre 100 000 personnes autour d'une table et discuter, mais. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des erreurs qui ont été faites cette année, notamment dans la communication, qui ont conduit au fait qu'aujourd'hui, on soit dans un climat qui est. Moi, sincèrement, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un climat autour des supporters. Vous le voyez, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus mettre un tweet aujourd'hui sans avoir un mec qui va venir insulter Franck Diabaté33, sans un mec qui va venir insulter tout l'arbre généalogique de Brunet, ou sans un mec qui va venir vous dire que. En même temps, vous avez le droit de couper les réseaux sociaux, hein. Aussi. Non, mais oui, mais c'est aussi représentatif. Sortez Twitter, sortez. Non, mais c'est... Sortez. Oui, mais Nico, c'est aussi représentatif des supporters bordelais aussi. On a le sentiment que c'est un peu divisé en deux clans, qui a entre guillemets les pros et les anti-Lopez. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, il y ait les pros Bordeaux. Voilà, en fait, aujourd'hui, les pros Girondins. Et je pense que tout le monde a y gagné, à arrêter de communiquer et de s'enfermer dans une posture et de parfois réécrire une réalité qui serait parfaite pour nous, enfin, pour selon les camps auxquels ils appartiennent.
et à avouer des torts. Moi, je pense par exemple que les ultras cette année ont suivi, et Gino l'a dit, je pense que les ultras ont suivi aveuglément Lopez, parce que Lopez est quelqu'un qui sait très très bien communiquer, très bien parler, très bien rassembler des gens derrière lui. Et moi, je pense que les ultras, à un moment donné, ils ont un peu trop cru au discours et qu'ils n'ont pas assez tensé les actes, parce qu'il y avait des actes, et notamment sportifs, parce qu'on est aussi un club de foot à la base, qui aurait dû être beaucoup plus réprimandé, plus que juste une petite manifestation parce qu'on avait perdu contre Marseille. Ça aurait dû être avant. Il aurait dû avoir plus de contre, ça aurait dû être un contrepoids plus important. Pareil pour un mec comme Franck ou certains mecs qui ont eu de l'influence et qui au début ont été, parce qu'il s'est passé des choses vraiment très très bizarres, très, très mauvaises les années d'avant à King Street, des personnes qui ont été invitées au stade, etc., qui tout de suite se sont dit « Ah, on va essayer d'être positif ». Même nous, rappelle-toi, des gens se sont manqués de respect à personne parce que je me considère pareil, mais il y a aussi des gens, entre guillemets, qui sont un peu plus anonymes comme nous, qui arrivaient, qui nous demandaient « Ah, du positif, ah, faut être positif, faut être positif ». Quand on allait jouer à Clermont, quand on allait jouer à Clermont, qu'on n'y ait pas trois passes et qu'il restait 10 matchs. 5-0 à Reims, faut être positif. Ben voilà, faut être positif. 6-0 à Rennes, faut être positif. C'est insupportable aux émissions, vous n'êtes pas positif. Franchement, j'aimerais pas être votre patient si vous étiez psy. Ouais, mais en fait, je ne suis pas psy, je suis supporter, je regarde ce que fait mon équipe. Donc, c'est ça aussi. Je pense que tout le monde doit se remettre en question, nous les premiers. Moi, les premiers, j'ai dit aussi des conneries. On parle chaque semaine, on a dû en dire des conneries. Mais je pense que tout le monde devrait faire une petite introspection. Et avant de faire des rassemblements où chacun va vouloir dire « C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai été à l'initiative, c'est nous les vrais supporters, c'est pas les autres, c'est pas… » Je pense que tout le monde devrait se remettre un peu en question et se demander pourquoi il aime Bordeaux. Et je pense que tout le monde aurait la même réponse. Ça permettra à chacun de recentrer un petit peu son action, son supporterisme avec les Girondins. Gino. Non, mais je suis totalement d'accord avec Samuel. Je pense quand même que samedi, ça ne sera pas le cas, ou j'espère que ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours ou de prise de parole qui est faite, normalement, de ce qu'on entend par les ultras. Ça va être une marche, donc ce qui est plutôt intéressant. Et je pense qu'il faut, voilà, faut pas qu'il y ait une sorte de récupération. L'idée, c'est que ça soit une marche des Girondins pour le club et pour montrer qu'on est là. Mais si ça se passe dans ce cadre-là, Sam, je vois pas où sera l'intérêt de tout ça. Non, mais ça va. Moi, je pense ça va venir avec le temps, je pense. Voilà. Non, mais tout le monde est appelé à se rassembler, quelles que soient les divergences. Voilà. Hein. C'est ça. Et... Non, mais on peut pas avoir un discours. On peut pas avoir un discours, par exemple, qui serait, pour moi, le discours attendu par certains et pas par d'autres. Je pense qu'il faut que ça soit une marche libre et sans prise de parole quelque part. De qui que ce soit. Voilà. Oui, mais que les gens se parlent. L'image suffit à elle-même. Les gens se parlent, oui. Les gens se parlent, Gino, parce que. Voilà, mais je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Mais pas de prise de parole, justement. Pas de prise de parole. Les gens font ce qu'ils veulent. Tout le monde qui marche ensemble avec le mec qui regarde le voisin de travers parce que. Non, ça n'arrivera pas. Moi, je suis pas sûr. Quand je vois aujourd'hui comment ça se passe. Ça sera bête. Mais si c'est ça, ça sera bête et ça sera une mauvaise image qu'on renverra. Mais dans les deux sens, pas dans un sens plus dans l'autre. Dans les deux sens. Pareil, dans les deux. Je suis d'accord avec toi. Antoine, tu disais que tu y serais bien allé, toi, si tu avais pu à la marche. Oui, François Grenet y sera, par exemple. Il y aura certainement l'image. Des joueurs. Donc, est-ce qu'il a dit François Grenet, c'était parfait. Bien sûr, non, mais c'est juste que ce que ça représente, quoi, au final. Enfin, voilà, on a tous, on a tous vécu notre supporterisme d'une façon ou d'une autre, mais on est attaché, quoi qu'il arrive, à ce club. Ça fait partie de notre vie. Patrick racontait des anecdotes, des samedis, des vendredis, enfin j'en sais rien, mais voilà, on a tous ces souvenirs-là et en quelque sorte, voilà, se rassembler une dernière fois, c'est un peu la marche du désespoir, la marche de l'espoir, je sais pas comment il faut l'appeler. De la survie, mais voilà, c'est un rassemblement, comme je le disais tout à l'heure, pour démontrer aussi la puissance de cette communauté, en fait, de ce que représente en fait ce club d'un point de vue historique, ses valeurs. Voilà, les valeurs seront là dans les rues de Bordeaux, à défaut d'être sur le terrain ou ayant depuis quelques saisons. Donc oui, j'y serais allé si j'avais pu. Donc j'encourage bien sûr les gens qui peuvent le faire à y aller. Je pense que ce sera un moment historique d'une certaine façon. Mais tu sais, Nico, un truc. Moi, je sais qu'Antoine vit à l'étranger. Moi, j'ai vécu pendant longtemps. Ce qui peut aussi avoir de l'impact. Moi, je dis ça notamment parce que je serai à Paris, que je ne pourrais pas me rendre à Bordeaux ce week-end à cause du travail. Mais c'est qu'il n'y ait pas qu'une mobilisation à Bordeaux, pourquoi pas. Qui est aussi parce que notamment, moi, je sais qu'à Paris, il y a un contingent de supporters énorme, enfin, je dis à Paris, en Ile-de-France, avec les Marinés Blancs et l'IDF. Je sais que dans toute la France, partout, moi, j'ai vécu au Gabon, qui est un pays d'1 million d'habitants. Je connaissais au moins une dizaine de supporters des Girondins.
faut dire que le coach est Alain Giresse, donc ça a aidé un peu. Mais voilà, dans un pays d'un million d'habitants, à 6000 km de la France, et des gens que je connaissais pas tout le monde, hein. Voilà, dans un périmètre, moi, de 100 000 personnes, il y avait 10 supporters bordelais. C'est dire aussi, ça peut paraître tout petit, mais je pense que partout dans le monde, il peut aussi y avoir une espèce de mobilisation qui peut montrer que finalement, les Girondins, ça ne va pas s'arrêter juste à la ville de Bordeaux et à la place Péberlan. Parce que oui, le club disparaît, la ville se mobilise, ce n'est pas forcément étonnant, surtout quand on sait l'engouement qu'il y a à Bordeaux. Par contre, le monde entier, où on voit qu'il y a des mobilisations partout, peut-être que ça aussi, ça peut être intéressant. Donc moi, j'encourage, notamment en tant que fils d'expatrié, tous les supporters qui sont à l'étranger, pourquoi pas, s'il y a des peignards, des trucs comme ça, des machins, de se retrouver, de montrer aussi qu'il y a une mobilisation qui est internationale. Si, même si moi, j'y crois pas une seconde, hein, mais s'il y a encore peut-être un peu de pression à mettre sur les instances, elle peut venir de là aussi. Parce que ce ne sera pas Macron qui va aller mouiller sa chemise au CNOSF. Secta, à Lyon, tu vas oui. Rassembler la communauté lyonnaise. De ce que enfin, je sais pas tout, mais j'ai pas croisé énormément de supporters le bordelais ici à Lyon, et on risque bien de se faire ridiculiser avant d'avoir fait 10 mètres, parce que les Lyonnais, sachant nos appointances avec Saint-Étienne, sont pas tendres, mais alors pas du tout, ah ouais. du tout avec la situation actuelle, et du coup, bon, bah, c'est comme ça. Après. Moi, j'ai envie de rebondir un peu sur le côté justement humain de tout ça et de se dire qu'il y a un coût sportif, il y a un coût humain aussi, parce que les Girondins représentent aussi beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et il y a une forme aussi de, si je peux lancer un peu cette discussion là-dessus, on a vu se désagréger le club aussi sur certaines bases humaines qu'on aurait dû, je dis ça maintenant effectivement, mais qu'on aurait dû voir venir ou sentir, c'est-à-dire il y a des vraies bases. C'est-à-dire, par exemple, dès qu'hostile, un club, pas qu'hostile, Carasso. Dès Carasso. Ah ouais. Déjà, la manière. Non. Quand Carasso. La manière. Non, on reparlait pas de Costil. Non. Mais il y a des problèmes, toi. Tu ça va pas parler beaucoup. Non, mais Carasso, c'est un très bon exemple. Comme Carasso est parti, ça m'avait chagriné. Et j'avais pas du tout aimé comme ça s'était passé. Et nous, déjà, en tant que supporters, on avait déjà un petit peu pas rien dit. Alors, je ne sais pas, sur Bordeaux même et tout ça, mais je veux dire, moi, de ma position. Et j'avais trouvé que pour ce qu'était ce type, pour ce qu'il avait fait pour le club et tout ça, partir en catimini comme ça, à l'époque, je me souviens que ça m'avait… Je m'étais déjà dit, oh, ça en dit long sur l'état de déliquescence à Bordeaux parce que quand on ne respecte plus ces valeureux guerriers, je ne sais plus du tout ce qu'on respecte vraiment, en fait. On respecte plus ceux qui ont mouillé le maillot, on respecte plus ceux qui ont apporté, on ne voit plus ça. Alors je dis « on », pas les supporters bordelais, mais l'institution bordelaise, le club, comme ça s'est passé. Pour moi, ça, c'était déjà un signe qu'il y avait une forme de déliquescence humaine et presque morale qui se mettait en place là dans le club. Et ça ne s'est pas démenti avec d'autres histoires ensuite, mais beaucoup de choses se sont gérées sur des égos. Et le côté humain, on a pris un bon coup, quoi. Un bon coup. Je peux revenir dessus, là, te faire un petit stop. Carasso, nous, à l'époque, on l'avait reçu, on lui avait remis un trophée. Il était parti comme un voleur des Girondins. C'était quand même, il faut se souvenir que Cédric Carasso, c'était Dieu, quoi. Son surnom, c'était Dieu, quoi. Je veux dire, dans le vestiaire, le gars, on le mettait au plus haut, quoi. Et le club, l'institution... n'a pas fait respecter l'institution, c'est-à-dire d'honorer même un bouquet à la fin d'un match ou quoi. Il a même pas eu ça, quoi. C'était déjà une initiative des supporters. On l'avait reçu dans un bar à Bordeaux. On lui avait remis un trophée. Il était venu, on avait passé la soirée ensemble. C'était super, mais il était très marqué, quoi. Il ne comprenait pas. Et on te dit, ouais, Carasso, il ne s'entendait pas avec le club. Ouais, et alors ? On s'en fout, ça. On est des supporters, on doit honorer le joueur, quelles que soient ses inimitiés, avec un Ulrich Ramey, avec un Stéphane Martin ou autre. Je veux dire, et là, ça n'avait pas été respecté. Et moi, ça m'avait énormément choqué à l'époque. Mais il annonce même pas avant le match, c'est ça. Hein.
Il annonce non. après le match de Marseille, avant Lorient. Ouais. Lorient, il fait même pas ses adieux au stade, il a même pas un bouquet ou quoi que ce soit, quoi. Il y a rien. Et ça, c'était vrai, purement scandaleux, quoi. Voilà, je dis ça. Et déjà, les supporters, nous en tant que supporters sur Web Girondin, on avait pris l'initiative de le fêter et de faire une émission. Donc c'est pour dire, on prend un peu le relais de cette institution qui voilà. n'est pas respectée, quoi. Voilà. Qui était déjà voilà. aux mains de personnes. Qui ne respectent pas, qui ne connaissaient pas le club, qui ne connaissaient pas les valeurs et qui n'avaient certainement rien à faire dans le foot. Ces gens-là ne comprenaient pas à quel point ça causait du tort à l'institution de faire d'agir comme ils agissaient. Et nous, de notre côté, quelque part aussi, mais je dis tout ça toujours dans la même lignée que ce que disait Sam tout à l'heure, en fait. À un moment donné, il faut prendre sur soi et se dire, mais on ne peut pas tout mal faire, mais on ne peut pas tout bien faire non plus. Donc forcément, il y a des choses qu'on a mal appréhendées, qu'on a mal gérées. Et c'est certain que là, à ce niveau-là, on est arrivé, nous, la communauté girondine, je me mets avec le club et l'institution et tout ça, à un niveau où on n'est pas resté sur nos bases, on ne s'est pas assis sur nos bases. Et on a laissé un peu s'effriter des valeurs qui, en fait, étaient celles qui faisaient que quand c'était dur, on courait plus. Que quand on n'y arrivait pas, eh ben, on en remettait une couche. Vous savez ce qu'on recherchait cette année-là chez les joueurs ? Ce qu'on recherchait dans le caractère ? Ce qu'on recherchait, ce que Paris essaie de payer à coups de millions ? C'est-à-dire une forme de don de soi, d'investissement, d'adhésion au projet et tout ça, et ben ça vient avec une forme d'assise humaine. Quand j'entends, alors c'est Lasland, Lyon, qui dit que maintenant même pour rentrer dans le stade, il n'est plus sur la liste, quoi. C'est une boîte de nuit, quoi. Il a pas de basket, il a des baskets, il ne rentre pas. Je ne sais pas pourquoi un mec comme Lyon Lasland a besoin d'être sur une liste. Pour un mec, il est titré en plus. Pour venir au Hayan, je peux pas comprendre, je vois pas la logique qui peut emmener ça, je vois pas, j'arrive pas à cerner, et du coup je me dis que ça fait partie des bases, parce que si un mec comme Lilian Lasland peut pas se pointer à un entraînement des pros de Bordeaux, que ces mecs là voient qu'il y a, c'est comme si on disait Raoul a plus le droit d'entrer au centre d'entraînement du Real, et que voilà quoi, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe. Il faut peut-être que, ouais, je sais pas, je veux pas en faire des caisses là-dessus, mais je crois que ça en dit long. C'est de l'ordre de la transmission des valeurs et d'une forme de passage de relais qui a été complètement stoppé. Et effectivement, on est venu ensuite à dire, mais ces joueurs-là sont sans consistance, cette équipe est sans consistance, tout ça c'est sans consistance. Mais en fait, si on peut remonter, et on est remonté qu'à Carasso, c'était déjà en train de se mettre en place, parce que 1 plus 1 égale 2, et puis voilà, c'est comme ça. Merci, c'est quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, hein. Non, mais moi je te rejoins complètement. Il y a la ministre qui a réagi apparemment, Nico, mais je n'arrive pas à trouver. Oui. Alors il y a Antoine qui est ami, qui l'a mis dans l'interview de David chat. Guillon. Tu veux le lire, Antoine, peut-être ? Soit qu'il a mis ? Ouais, non, effectivement, elle a réagi en disant, du coup, face à la situation difficile et éprouvante des Girondins de Bordeaux, je souhaite adresser mes pensées solidaires à l'ensemble des équipes salariées, supporters, soutiens et amis du club. Je porte un regard attentif sur le contexte qui représente un enjeu majeur sur le plan sportif, économique, social et historique pour le territoire du football national. Et là, c'est important. Mais je tiens à rappeler que l'État n'est pas légitime à intervenir dans le traitement de ce dossier qui répond à un cadre juridique précis. Autre point important, je serai vigilante au respect des procédures, confiante dans la faculté des instances sportives et en particulier ici de la conférence des conciliateurs du CSNOSF de permettre une conciliation dès sa saisine dans les plus brefs délais. Cette procédure de conciliation est un préalable à tout éventuel recours contentieux devant les juridictions administratives. Donc en gros, l'État ne s'impliquera pas du tout dans ce... Oui, bah elle n'aurait pas dit l'inverse. De toute façon, elle aurait, bon, faut pas être fou. Hein. Merci, Antoine. C'est impossible de dire l'inverse. Donc, mais c'est... Moi, je vais vous dire, je ne dis pas que c'est positif, mais l'affaire est déjà remontée jusqu'au entre guillemets, plus haut sommet de l'État, parce que c'est la ministre déléguée, enfin, c'est la ministre qui est en charge de ces questions-là. C'est aussi que, encore une fois, ça va avec ce qu'on dit depuis hier. Je ne veux pas dire que c'est positif ou pas, mais c'est ce qu'on dit depuis hier. On ne parle pas de n'importe quel club, on ne parle pas de... Voilà, nous, à notre échelle, ça représente beaucoup, mais ça représente aussi beaucoup à l'échelle du patrimoine sportif français. Si Bordeaux, et là, je le dis vraiment, c'est mon avis, ce n'est pas une info que je donne, mais si Bordeaux
peut apporter le minimum de garantie qui lui permettrait de rester en Ligue 2, je pense que toutes les instances feront en sorte que ce soit le cas. Si ça n'est pas le cas, posons-nous les bonnes questions, encore une fois. Voilà. Bon, merci. Messieurs, vous voulez ajouter quelque chose ? Bon, l'émission est terminée. Hein. Je ne sais pas si je peux vous redonner la parole chacun votre tour. Vous avez parlé d'humain. Moi, je trouvais que c'était intéressant ce débat, pas pour repartir dans des débats. Mais je ne sais pas si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde hein, de connecté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Là. On est presque à 8800. Allez-y. Comme ça, vous louperez pas les prochaines vidéos parce qu'il y a Talk lundi avec Charles Merle à la présentation. Et le lundi d'après avec Antoine. Antoine, il se dit oulala, on va pas parler football. Tu parleras peut-être football, Antoine. On verra bien. En tout cas, alors, on va pas plus parler de football de toute façon. Et alors, il y a un résultat du match. Mais on est là, mais Bordeaux a gagné un match aujourd'hui et personne ne s'en va rien. Mais on a encaissé un but. Ça n'a pas changé, ça. 2-1 face à Rodez en amical. But de Mwanga. Et le premier, je ne me rappelle plus, de Delaurier-Chaubé. Et à noter que Ignatenko a joué et que Barbet a joué. Des joueurs qui ne sont pas sous contrat. Il ne faut pas qu'ils se pètent sur un match amical. Ouais. Et Klidje a joué seul en pointe et il s'est blessé. Voilà, il est sorti un petit peu blessé après quelques minutes. Voilà, donc ça pour parler football, c'est toujours bien. Donc peut-être que vous en parlerez peut-être un peu football lundi. Tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas officiel, il y a peut-être moyen de gratter du temps sur le football. Guillaume, elle a dit à la sortie du match, en gros, on fait la prépa, quoi. Bah, en fait, c'est pas dire autre chose non plus. Il a raison. Je peux pas dire autre chose. Je ne juge pas pour ça. C'est vrai que tu es extérieur un peu à nous qui suivons le club minute par minute. Tu te dis, attends, hier, je viens de lire qu'il déposait le bilan, et là, j'ai l'entraîneur qui me dit aujourd'hui sur l'équipe qui fait la prépa. Je te dis, mais les mecs vivent quand même dans leur monde, quoi. J'ai une petite question, les amis. C'est la même chose. Ils te disent, on vient au travail, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on vient travailler en attendant qu'on me dise de ne plus venir. Je ne les mets pas sur le même plan parce que les salariés, pour le coup, quand ils vont perdre leur travail, ils vont perdre un vrai, ils vont perdre un vrai travail. On se comprend, je veux dire, ils vont vraiment perdre leur travail. Ignatenko, Barbet, je ne suis pas inquiet pour eux dans les trois. On peut penser aux jeunes quand même, Samuel. Je pense que ça ne va pas être facile pour ceux qui sont derrière. Et qui n'ont pas forcément de contrat, ou alors à la limite, il y en a certains qui ont chopé un contrat professionnel, mais qui n'ont rien pu démontrer au final. Voilà le chômage, ouais. Et ça ne va pas être facile pour eux, surtout dans ce contexte. Surtout quand tu as raison de le dire, tu te retrouves au chômage après avoir signé ton premier contrat pro. Je pense au petit, par exemple, le petit Vétro, par exemple. Qu'est-ce que tu as comme CV, entre guillemets, vidéo à montrer aux recruteurs ? Tu ne joues pas, tu es au chômage, tu n'as pas d'équipe. Pour te faire repérer quand même. Je peux aller le filmer. C'est vrai que là, il y a peut-être des chances. Ouais. Secta, tu voulais dire un mot ? Non, je me demandais, pour confirmation, ce recours pour le CNOSF, là, il est sur la base du dossier déjà présenté ou on peut mettre des nouveaux éléments encore Ils peuvent amener des nouveaux éléments, on est d'accord. Rien ne les empêche de le faire. Éventuellement. Hein, non, mais je pense qu'ils peuvent arriver avec des nouveaux éléments. C'est... Alors, je ne sais pas de me faire trop de frayeur ou d'y croire plus que ça. Mais je me dis que, bon, effectivement, je suis un peu sur l'avis de Sam. Je me dis que là, vraiment, c'est la der des der. Et je pense que si certains, jusqu'à maintenant, la jouaient un peu sur leurs égos et sur leur ego, pardon, et la jouaient pour dire voilà, c'est moi qui vais sauver ou c'est moi où j'attends, tout ça, là, je pense que c'est terminé. Là, c'est terminé. Ce qui pend au nez, c'est vraiment, vraiment grave. Et j'ose espérer qu'une solution va se trouver. Je ne suis pas vraiment pour en me disant voilà, autant. Je suis désolé, Jo, me dire autant être. J'ai du mal avec ça, j'ai du mal en fait. Peut-être que si j'ai vraiment du mal, je me dis peut-être c'est eux de le sauver et je sais pas, on va lui reprendre autrement le club des mains s'il n'arrive pas à le gérer. Mais j'ai du mal à me dire que l'on va être carrément au bord du dépôt de bilan. Je crois que ça me fait mal, ça, j'arrive pas à faire le deuil de. Alors je comprends pas, il y a les. Non, je comprends, secteur. Alors il y a. L'Elex qui s'énerve sur les chats parce qu'on lit pas le chat. Alors, ça fait 2h30 d'émission. J'ai dormi 3h, l'Elex.
Je vois quasiment plus. Je travaille toute la journée. Je t'avoue que j'ai du mal à voir le chat. Tu l'affiches. Donc, j'affiche certains messages, mais j'arrive pas à tout voir. Quoi. Donc, et Conan, il peut pas faire les émissions en ce moment. Il va très bien. Voilà. Nous, on réagit. Enfin, moi, je sais pas vous, mais quand t'affiches les messages, après souvent on réagit. Non, les voix, mais des messages, si vous voulez, j'ai les messages de YouTube, de Twitch et de Facebook qui s'affichent. Et ça défile c'est comme ça. C'est scandaleux, Nico, que t'arrives et pas. Et ça défile comme ça, les gars. Moi, je dis, si vous êtes, si on est 400-500 sociaux, on peut embaucher quelqu'un pour faire le chat. Hein. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais il faut être sociaux, il faut nous soutenir. Voilà, il n'y a pas de souci. On paye quelqu'un, il fera le chat. Je suis un humain, les gars. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire. Je suis désolé, il y a des trucs que je peux pas faire. J'ai un ami qui s'appelle Gérard qui cherche un petit boulot pour gagner des sous en plus. Si tu veux, je t'envoie le contact. Il a besoin d'argent en ce moment. Il va partir avec le matos de Nico. Il va partir avec les socios. Il va les ramener monter le Nico. Un jour en émission, tu vas avoir le matos. C'est un petit projet. Il est très énervé. J'ai pas compris. Non, je ne suis pas énervé, mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent. Après, ils ont le droit de s'énerver, mais ils ne connaissent pas aussi les conditions dans lesquelles c'est réalisé. Quoi. Il y a un contexte à peine. Arrête, arrête, tu vas commencer à avoir le même discours que Gérard. Là. Ouais. On se croirait sur RMC dans Rotten Central. Après, voilà. Bon. Donc, mais messieurs, je vous laisse 30 secondes, mais je dis 30 secondes, parce que 30 secondes chacun, ça fait plus de 2 minutes. La parole. Il va avoir le droit de parler, l'Elex. Mais écoute, si tu es socio, tu nous envoies un message. Si tu ne l'es pas, il y a mon numéro. Et on te fait passer à l'antenne et tu peux venir réagir. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà, aucun souci. Il suffit de me contacter, de nous contacter, peut-être pour le chat, pour le talk lundi. Aucun problème, avec plaisir. 30 secondes, les gars, chacun. Antoine, tu commences. On remonte comme ça. Antoine, Jonathan, Samuel, Patrick, Gino, et on terminera par Secta. Et après, Secta, il y aura plus de Comment non, Secta, il te restera plus de temps, par contre. Après, je pense que. C'est comme ça qu'il me gère. Vous êtes en train de vous faire 30 secondes, les gars, déjà. 30 secondes, je vais mettre. Attends. Attends, tout le s'est passé. Allez, maintenant, c'est à moi, c'est bon. Attends. C'est le débat du premier tour. Alors attends, je ne sais même pas comment on met le chrono sur mon téléphone. Attends, je vais trouver. 30 secondes pour mettre l'organisateur, il est top. Hein. Attends, minuteur. On utilise vos messages sur le chat, il ne sait pas mettre un chrono. Ouais, non, il faut aussi embaucher quelqu'un pour le chrono, les gars. Là, tu le prends. J'arrive, les gars. Allez, c'est à qui c'est, Antoine? Là, je l'ai mis. Non, mais je l'ai mis. Il suffit juste d'accord, que je. D'accord, je croyais que tu allais me mettre un petit timer en haut, Nico. Ah non, par contre, ce qu'on peut faire. Attendez. On a perdu déjà 2 minutes. Ouais, ça fait 3 minutes. Non. Allez, les gars, on se détendre un peu. C'est un petit peu ambigu, je trouve, à chaque fois. À chaque fois, tout le monde le dit. Il faut se détendre un peu, même si on est dans la souffrance, on a le droit aussi d'avoir un moment de détente. Allez, Antoine, t'as 30 secondes. Il y a Jean-Claude Darchet. Ouais, non, déjà. Pour vous remercier, les gars. Parce que... Avec ou sans sa serviette. 30 secondes, je vais pas forcément parler du club ici. Chut, les gars, écoutez, Antoine. Non, on a déjà parlé de la situation du club. Moi, je veux juste vous remercier parce que voilà, j'ai participé à plusieurs émissions. On a eu la possibilité d'animer des émissions. Voilà, c'était une vraie thérapie, franchement, une thérapie de groupe. Merci, Nico, de nous donner la possibilité d'échanger, de donner notre sentiment, de nous exprimer sur ce qui nous est très cher, ce club des Girondins, dans une situation qui est très, très difficile. Voilà, j'encourage tout le monde à aller à Bordeaux samedi et tous unis derrière ce beau scapulaire, quoi qu'il arrive. Voilà. Eh bien, merci, Antoine. Me remerciez pas les 6 à la suite. Hein. Okay. Joe. Je te remercie pas, Nico, du coup. Merci. Non, après, moi, juste, c'est. Je pense qu'il va falloir prendre un petit peu de recul à l'heure actuelle pour la majorité des gens, pour que tout le monde, comme dit Samuel, ça pèse un petit peu. Sortez-vous peut-être un petit peu des réseaux sociaux aussi, parce que je pense que c'est compliqué d'avoir la tête froide à l'heure actuelle. Et ça permet d'avoir un petit... Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça aussi que, entre guillemets, je suis peut-être moins énervé et que peut-être je me prends un peu moins la tête à l'heure actuelle, même si ça me rend triste tout ça. Mais essayons d'être un petit peu posé, lucide par rapport à tout ce qui se passe. Effectivement, il y a pire dans la vie. C'est quand même quelque chose qui va nous marquer. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose aussi derrière à l'arrivée, encore plus pour nous. Surtout si le club, malheureusement, perd son statut professionnel, je pense qu'il y a moyen, effectivement, pour tout le monde de s'investir à fond dans tout ça et d'être encore plus proche du club. Donc, malheureusement, c'est une tragédie ce qui se passe.
mais c'est sans doute pas une fin, il faut l'espérer. Donc espérons que la suite soit meilleure et quoi qu'il arrive, nous on sera là, Web Girondin sera là et puis on continuera quoi qu'il arrive à faire ce qu'on sait faire et à rigoler comme on l'a fait encore ce soir entre nous parce que avec les gens du chat parce que voilà, comme j'ai dit, il y a plus grave, mais on peut encore. Il y a moyen de relever la tête avec ce club-là sans problème. Voilà. Merci, Joe. Monsieur Samuel Vasselin, du Club des 5. Non, mais je pense qu'on va tous se paraphraser un petit peu. Ouais. Voilà, on a beaucoup parlé cette saison sur tous les talks. J'ai pas lancé le chrono, en fait. Non, mais on a dit beaucoup de choses. Ah merde, en plus, je voulais faire court pour essayer de te bluffer. Mais tu vois, alors là, c'est bon, j'ai gratté 20 secondes. Mais voilà, mais. Plus sérieusement, voilà, on a déjà tout dit, je pense, sur tout ce qui se passe autour de ce club, que ce soit sportif, administratif. La seule chose que j'ai envie de dire, moi, et je le disais à quelques instants, je veux que tout le monde se souvienne pourquoi il aime ce club. Il aime ce club parce que c'est les Girondins de Bordeaux, pas parce qu'il y a un tel joueur, parce qu'il y a un tel entraîneur, parce qu'il y a une telle philosophie, parce qu'il y a un tel supporter, il y a un tel influent, il y a un tel intérêt ou quoi. Tout le monde aime ce club parce que c'est les Girondins de Bordeaux, c'est le scapulaire. C'est pour beaucoup, et je pense, une partie, un pilier de nos vies. S'il doit s'effondrer, reconstruisons-le, ou en tout cas, soyons là pour aider ceux qui voudront reconstruire. Magnifique. Magnifique. C'est l'heure du réveil. En fait, les gars, ça ne marche pas. C'est bon. Attention, Patrick Gomez pour tous les Gomésiens. Ah, moi, j'ai eu une info officielle. France, tiens, elle est Lex. Lex, il nous souhaite le faire. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Il lâchera pas. Information officielle, Franck Sergio sera à la marche parce que Marché, il sait le faire. Voilà. Et l'Elex voilà. Qui nous soutient, c'est un malentendu. On le fera participer aux prochaines émissions. Voilà. C'était dans mes Allez, secondes, on t'écoute. Voilà, merci Patrick. Gino. Moi, je trouve qu'il y a là-dessus, c'est pas mal. Je trouve, Non, je rigole. Non, je suis obligé de lâcher la pression, là. J'ai trop de pression. Ouais, bah, oui, moi aussi, voilà. Je suis désolé, du coup je dis des bêtises. Ah, ouais. Vas-y. Non, non, mais pas arrêter le réveil. Je suis comme tous là. C'est un gag. Ouais, moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on retrouve un peu notre club et qu'on. Je suis assez d'accord et pourtant j'étais le premier à envoyer des tirs sur les réseaux et donc prendre des coups aussi en échange. Et ça fait partie du jeu, mais voilà, moi je peux pas rester sans me taire, c'est un défaut aussi parfois. Donc je peux aujourd'hui que appeler à l'apaisement et surtout à s'unir pour le club parce que un club de foot c'est comme dans la vie en société, on va au stade avec des gens qui ont pas les mêmes opinions politiques, sportives, culturelles, tout ce que vous voulez, et c'est ce qui fait que le foot est beau. Et aujourd'hui on est plein de désaccords. La seule chose qui nous unit et qui nous unira normalement jusqu'à la fin de nos jours, c'est les Girondins de Bordeaux. Ce sera au moins ce socle-là qu'on aura tous en commun. Voilà, donc maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Et si ça doit passer par la N3, on le fera. Et si on peut l'éviter, ce sera encore mieux. Entendu. C'est Gino Forte avec le maillot marine et blanc. Bah, dans la même veine que Patrick, déjà, j'espère qu'on sera le maximum samedi à la marche parce que c'est un moment quand même qui reste important. Et sinon, on fera le bilan un peu plus tard, mais ce bilan, il sera obligatoirement pour moi à faire. Et il faudra que les responsables et toutes les personnes de notre communauté aussi puissent venir échanger et discuter sur tout ce qui s'est passé cette année pour qu'on en reconstruise derrière. Mais c'est quelque chose qui sera pour moi essentiel sur la suite. Merci Gino. Monsieur Secta. Bordelais un jour, Bordelais toujours, c'est peut-être l'occasion d'en parler, tiens, parce qu'on peut plus l'écouter, mais on pourra bientôt se la réécouter. C'est vendredi, oui. On pourra bientôt, voilà. Il y a des procédures, bon, c'est comme ça. À partir de vendredi, Bordelais un jour, Bordelais toujours. Donc voilà, mais bon, là, je voulais surtout dire que je suis absolument dégoûté pour le club. Mais je suis en train de me rendre compte petit à petit que c'est. Ce petit moment-là, s'il n'y a pas de diffusion de match, s'il n'y a plus de diffusion de match, s'il n'y a plus tout ça, Web Girondin, ça va devenir bien bizarre. Enfin, je sais pas, je dis ça, je me rends compte, je me dis au fur et à mesure que... Il y aura toujours les talks. Oui, je me dis, voilà, Et ils vont toujours jouer, ils vont toujours jouer. Oui, mais sans la diffusion, on peut tous se retrouver autour du match qu'on a vu. Eh oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment ça va se passer et je me rends compte en fait que et avec le club
c'est possible que, je ne dis pas perdre, mais que ce petit truc-là qui s'est créé, parce que sur les deux dernières années, c'était vraiment cool pour moi en tout cas. Et c'était des moments que j'attendais dans ma semaine. Et de voir les matchs, mais d'être avec vous aussi. Et j'ai peur que ça soit mis en danger, quoi. Je m'en rends compte vraiment. Nico, je pense que les matchs seront sûrement diffusés. Hein. Sûrement. En N3, c'est diffusé, de toute façon. Ouais, par la FFF. Okay. Fuchs, alors la qualité, c'est pas terrible, mais c'est diffusé. On débriefera les matchs avec des joueurs pas très connus. Et même Nico, écoute, je pense que le club fera un truc si jamais c'est pas diffusé. Tu trouves un sponsor, tu te fais financer la diffusion du match. S'ils n'ont pas l'idée, moi je leur donne au nouveau. Je sais pas qui sera. Web Girondin sponsor, bien. Non, mais c'est les gars, en dehors du club là, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes de moi. Encore une fois, on est 100 000, 200 000 sur terre, hein, donc il y a du monde qui voudra voir les Girondins, même s'ils jouent contre ma grand-mère et mon oncle. Oh. Non, mais une diffusion, c'est simple, ça a un coût. Qu'est-ce que tu veux dire? Je joue encore. Et je suis pas sûr que je fasse une shit en plus. Qu'est-ce que t'as dit, Samuel? Je pense que le Bordeaux, il y a 100, 200 000 personnes qui supportent ce club. Même s'ils jouent, voilà, je disais contre ma tante et mon oncle, il y aura quelqu'un pour aller diffuser le match, bien sûr. Et surtout avec cette musique en fond, Samuel. donc Secta, tu peux être rassuré, on fera les débriefs à chaud toujours. Bon, bah c'est génial. C'est génial. Non, mais c'était une question que je me posais. Mais oui, mais moi aussi, je me la suis posée. Et j'ai vraiment craint de perdre ça parce que. La musique attire des commentaires bizarres maintenant. Il y a plein de boîtes locales qui ont le moyen de diffuser ce type de match et ce type d'événement, de toute façon, avec Internet maintenant, de toute façon, tout est accessible. Bon, problème. Et si on veut se rassurer au pire des cas, qu'on soit en Ligue 2, en National ou en N3, peu importe, ce qu'on fait, les gars, le premier match, peu importe la date, on se retrouve tous, on fait un big apéro. Voilà. Avec les repas des sociaux, etc. Et tout. Les gars, chacun a un truc à boire, on se retrouve, et puis on se crée un événement sympa. Et puis, il y aura toujours les Girondins de Bordeaux, et ça permettra toujours, de toute façon, le rassemblement. Et on parlait tout à l'heure de quelque chose qui pouvait rassembler avec Guillaume Durati. Maintenant, je suis en train de me dire, la chanson de Secta, elle permet quand même un beau rassemblement aussi. L'apéro, je croyais que tu allais dire. Voilà, l'apéro, les deux. S'il fait tout, peu importe où t'es, tu sais très bien que tu feras la fête avec tes collègues, avec tes amis. Et tous ensemble, on sera encore là avec une chanson, un petit verre de, on ne prononce pas parce qu'on ne peut pas, mais un alcool mousseux, bien évidemment. Et puis voilà, on se fait plaisir, on se fait la fête. Et puis tu veux encore payer des tournées pour les doublés d'Oudin, tu penses? Mais écoute, si un jour. Alors, et si Franck Sergio, les gars, est capitaine et joueur de foot en N3, les gars, parce que je pense que Patrick sera son premier fan, il prendra le maillot, bien évidemment, par aujourd'hui. Bien sûr. S'il joue le premier match, je mettrai Franck Sergio buteur sur le premier match. Et Nico, c'est quand même le seul mec que je peux mettre à l'amende sur un rond-point en sprint, hein, Franck Sergio. Tu ne devais pas faire gagner un maillot, du coup Ah, on a fait gagner le maillot, c'est Benoît Perrin. On attend que le maillot sorte et j'irai acheter le maillot. On peut lui envoyer si tu veux. Je lui envoie, je l'ai sur moi là. Parce que là, tu vas avoir quoi? Un maillot simple avec un truc pitch et un scapulaire. Quoi. Moi, je me l'achèterai aussi le maillot. Ah ouais, on lui enverra. Soutenir le club, quel que soit. Ligue 2. Là, c'est décidé. Ligue 2, nationale ou en plus bas, j'achèterai le maillot. Avec du mauvais humour, on pourra dire que si on est au 7e tour de la Coupe de France, il y aura toujours le maillot PMU ou je ne sais plus ce que c'est, les sponsors maintenant de la Coupe de France. Putain, la Coupe de France, ça sera notre Ligue des Champions. Quoi. Laisse tomber. Vous allez nous plomber direct. Hein. La Coupe de France, c'est projeté. Non, mais arrêtez la Coupe de France. Putain, on est champion de merde. Et pourquoi pas être le premier club amateur depuis très longtemps à la gagner? Pourquoi pas? Et bah, Aquitaine. Pourquoi pas? Laisse tomber cette histoire. Et pour montrer cette union, je propose que dès ce soir, on fasse une émission de 24 heures, un marathon d'émissions. On ne s'arrête plus, les gars. Vous pourrez m'insulter sur le chat. Vous pourrez m'insulter sur le chat, j'effacerai pas les messages. Je peux faire avant mon patron, Nico, par contre, chez vous. On a dit, c'est un peu compliqué. Combien il y a de likes, là, Nico? Je sais pas, 553, c'est pas assez. Il y a 942 personnes encore. À 1000 likes, c'est une heure de plus. À 1000 likes, Patrick, c'est des torts salués. À 1000 likes. Mais là, tu vas avoir du distinct. Et il a un défi de Franck Sergio de faire la même chose. Okay, d'accord. À 1000 likes, on diffuse les meilleures actions de Franck Sergio cette saison. C'est ça. Ouais. Et à 1000 likes, j'ouvre la porte. Et à 1000 likes, on insulte Nico en direct également. Non.
C'est quoi cette haine d'un coup là? Ah ouais, à 2000 likes, on dit du bien de Gérard Lopez. Une phrase. Ah, oh là là. À 3000 likes, il y a Bruno Fievier qui vient, parce que c'est Sarah Dupin. Ouais. Respectez le proprio à un moment donné. Il y a une surenchère, les gars. Là. Qui dit 3000, qui dit 3000, les gars. C'est parti. Allez, vous êtes complètement dingue. À 3000 likes, 4000 likes, c'est Vincent Labrune qui vient expliquer la décision. Et à 5000 likes, la Steka qui nous chante la chanson en direct. Voilà. Et Pierre Hermic, il est là. Combien de likes? Et si on l'appelait, j'ai son numéro. Si on l'appelait, Pierre Hermic, il faut lui promettre des voix. Hein. C'est pas des likes, hein. C'est des voix. Je vous jure, je l'ai. Mais alors, je pourrais le faire passer dans la console. Ça serait drôle. Quand même. Victoire. Attends, que je retrouve Polichinelle qui dit Antoine avec son corps de Chipendel. Il est temps d'arrêter cette émission là. Combien de likes du coup? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a atteint les likes? Mais franchement, ça marche pas pour faire monter les likes cette technique. Les gars, tant pis pour vous, alors on va être obligé d'arrêter. Non, franchement, à 1000 likes, vous avez la meilleure blague de Patrick. Allez-y, les gars, lâchez-vous. À 10 000 likes, on rachète le club. Non, Patrick, il te fait ses meilleurs likes à 10 likes. Ses meilleurs likes à 10 likes, pardon. Non, mais en fait, moi, tu me donnes la parole, je te l'ai fait. En fait, je t'ai sorti 306 aujourd'hui. Moi, j'en ai rien à foutre des likes pour ça. Alors, c'est l'histoire d'Amérique. Son prénom commence par F et ça finit par Joe. Non, à 5 000 likes, j'en ai une. À 10 000 likes, Gérard Lopez sauve le club. C'est pas des dons, les likes. Désolé. Non, c'est à 10 millions d'euros. C'est moi marrant. C'est 10 millions d'euros, ça, tu confonds. C'est moi marrant. J'ai cassé l'ambiance là tout de suite. T'as vu, j'ai ramené tout le monde à la réalité. Oui, ça fait mal. Bon, allez. Je suis désolé, j'ai cassé l'ambiance. Des fois, ça fait du bien, faut craquer. Attends, parce que il y a Lalande sur le chat qui nous dit qu'en août, on avait dit qu'on descendrait pas en Ligue 2. Bon, on avait raison. C'est vrai, mon pote. C'est vrai, mon gars. Non, mais tiens, on dit pas les conneries ici, nous. On est descendu en N3. Voilà. C'est une émission sérieuse, c'est une émission sérieuse. C'est Lilian Lalande. C'est Lalande, ouais. Ah, c'est la mission Lalande et Lalande, je pense. Il a fait son message à Lalande. Il est gentil. Bah oui, non, mais c'est pour rigoler, bien sûr. Oui, de toute façon, on fait que ça depuis tout à l'heure. On y allait en Ligue 2, on a dit une connerie à l'époque, donc on l'assume. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on avait? Alors, prochain match, c'est face à Trélissac. Je savais que tu es. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il était pas au hasard ce match, en fait, à l'arrivée. En fait. Alors, qui c'est qui a étudié le jeu de Trélissac, là, pour nous faire une petite présentation? Ah, ils avaient fait un très bon match en Coupe de France contre l'OM, par contre. Hein. Non, ouais, c'est très, très bon. Donc, méfiance quand même, on rigole, mais. Ah, bah, ils sont favoris, hein. Une équipe de N3 contre une équipe de N2, donc ils sont favoris. Non, on a battu une Ligue 2 aujourd'hui, c'est un exploit. Hein. Joli petit stade. Ça va être sympa. On renoue avec le succès. Ouais. Est-ce qu'on aura un clean sheet? On s'en fout. Bon, allez, c'est pas perdu. Allez, c'est pas perdu, il reste encore un infime espoir. On va se quitter là-dessus. Allez, Manu, on t'a pas élu pour rien. On pourrait discuter une demi-heure à dire des conneries. On t'a pas élu contre le Pen pour rien, Manu, hein, donc bouge-toi le cul. Pas de politique, non. On peut pas compter sur un Marseillais pour nous sauver ça, mais à un moment donné, il faut aller aussi. Ouais, ouais, c'est un Marseillais le président. Ouais, bon. Si tu veux. Voilà. Non, franchement, on choisit. Justement, en politique, on dit qu'on choisit pas ses amis, on choisit ses ennemis. Et ben voilà, ben là, on choisit pas ses amis, donc il a intérêt de nous aider. Non, mais ça montre aussi le manque de bol qu'on a eu. Tu sais, genre, tu sais, comme dans Outshot, t'as un mec qui s'appelle pas de bol. T'as quand même eu le Covid, les droits télé, les Américains qui sont arrivés et tout. Tout est fait à l'arrivée, tu te dis, mais en fait, c'est impossible. Ah, et si Fillon, il avait pas niqué Juppé à la fin des primaires en 2016, ça aurait été Juppé président. Je peux te dire, ça serait pas arrivé, ça. Ouais, peut-être, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça. Ouais, et à un moment donné, voilà, quand le sort est contre nous. Et si on n'avait pas fait signer De Préville et qu'on avait fait signer De Jong? Tout ça, c'est la fin de l'année. Oh non, pas ça encore. On va revenir, c'est bon. Allez. Si on avait gardé Frédéric Gilbert... Chalana, s'il n'avait pas tiré son péno, on est pas... Allez. Bon, j'ai même pas envie de mettre un terme à cette émission, parce qu'on rigole bien. Je vais me chercher une bière, moi, j'en reviens. Je pourrais, c'est pas très loin. Si le Marseillais n'avait pas pété la jambe de Jean Dupeu. La dernière fois qu'on avait perdu, on aurait peut-être gagné Salut Laurent. Tiens, salut Laurent, sociaux qui dit une pensée pour nos féminines qui sont notre fierté, qui sont autant dans le flou artistique. Tu m'étonnes, c'est plus qu'un flou. Déjà, on gagne.
déjà qu'il ne les aimait pas beaucoup et qu'il n'avait pas beaucoup de considération, mais alors là, qu'il va pouvoir en plus s'en débarrasser comme un vieux chiffon. Je repense à F. Périssé, Carla Vogès, quand elles sont parties et tout, comment leur message, comment ça faisait mal au cœur et tout. Et tu sentais qu'ils ont envie de s'investir à fond d'entre eux et qu'on les jette comme des merdes. Et à un moment donné, tu vois, voilà. Et pour avoir discuté avec Claire très récemment, hier, elle espère vraiment que le club se... Ouais, maintenant on peut le dire parce qu'elle s'en va. Donc on peut... Oui, mais elle a annoncé pas tout. Claire est extrêmement déçue. Et je ne vais pas parler pour elle, mais en tout cas, voilà, elle est extrêmement déçue. Elle espère vraiment que le club va se sauver parce qu'elle fait partie de celles qui auraient accepté pas n'importe quoi pour rester, mais pas loin, à partir du moment où il y avait un projet sportif. Ça lui collait tellement bien, ce club. C'est-à-dire que le salaire ne rentrait presque pas en ligne de compte s'il y avait eu quelque chose d'intéressant à lui proposer, tellement elle avait envie de rester. Et malheureusement, il y a eu zéro projet sportif. Et là, on parle quand même de quelqu'un qui a parlé en direct avec les décideurs bordelais pour l'équipe féminine. Ce qui fait qu'elle ne risquait pas d'être convaincue. On voit que d'autres joueuses partent dans des clubs comme Charlotte Bilbao. Et on a refusé d'autres joueuses comme Océane Deslandes qui est partie à Montpellier. Enfin bon, voilà, je peux vous faire refaire l'histoire sur les féminines, mais là, bon, là pour ouais, bon, on va repartir sur un marathon, donc je ne vais pas le faire. En tout cas, je peux dire que la plupart des joueuses qui sont parties auraient aimé rester avec un projet sportif. Et surtout qu'elle, franchement, elle aurait vraiment et un repas de Noël financé par l'actionnaire aussi, ce serait bien ça. Oui, et un accès au château du Hayan pour les repas aussi, comme les masculins. Elles ont le droit de rentrer dans le château pour manger. Il y a un discours qui aurait duré plus de 30 secondes de la part du président qui ne savait même pas quels étaient leurs classements à ce moment-là. Il leur a dit, c'est super ce que vous faites, vous êtes génial. Et certaines, je vais les citer, lui ont répondu, mais président, on a un effectif pour être troisième, on est sixième, qu'est-ce que vous racontez là? C'est pas mal quand même. Bah ouais, il avait oublié qu'il y avait 12 clubs, donc c'était le moindre mot en fait. Hein. Bon, bah voilà, ça témoigne du mépris de Gérard Lopez et du mépris même du club. Hein, enfin, pas tout le club, mais en tout cas de cette direction-là, envers cette équipe qui, elle, a mouillé le maillot jusqu'au bout, sans rien dire. Tu nous fais la chanson. De toute façon, un jour. Tu nous fais la chanson a cappella, Secteur ? C'est possible ou pas ? Non, ça craint. La chanson a cappella. Comme ça, Bordelais un jour, Bordelais toujours. J'en sais rien, je vois des messages sur le chat. Il va réveiller. On peut chanter tous ensemble, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un décalage, donc ça risque. Tout risque d'être décalé en stream. Ah. Donc, si on chante tous ensemble, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu veux nous faire, ce sera une catastrophe de plus à bord de cette année. Ou autre chose. Je ne sais pas si tu veux, ce n'est pas obligé. Peut-être que les conditions ne sont pas réunies. Une bonne chanson aussi. Comment ? J'ai pas entendu. Non, mais on t'écoute. Non, je crois qu'il faut abandonner l'idée. Je pense qu'on va partir sur un truc où. Vas-y, ils vantent qu'il n'est. Qu'importe l'adversaire qui s'annonce, qu'il ressente la liesse, la force qui porte nos couleurs. Oh, qu'il vante qu'il n'est. Vous m'entendez toujours? Ah, mais on t'écoute, on est tout de suite. On est tout de suite. Aucun obstacle ne saurait nous détourner du jour ou de gloire, de bonheur, nous chanterons tous. Bordelais un jour. T'es dans le cœur, je t'ai dans la peau et je suis là pour te crier ce jour. Bordeaux, mon amour. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la peau. Bordeaux, mon amour. Bordelais un jour, Bordelais toujours, je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la peau, et je suis là pour te crier ce jour. Bordeaux, mon amour, je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la peau, Bordeaux, mon amour. Bravo, franchement, fort, en fait, magnifique. Bravo. Elle prend encore imaginez tout un stade qui chante avec Secta. Franchement, ça enverrait un truc de dingue quand même. Tout l'assembleur, il est là en fait. La chose qui peut nous rassembler. Ouais, bravo, Secta. On est en pleine merci, Secta. Ça fait plaisir. Et vous savez, je l'ai écrit dans cet esprit. On en a beaucoup parlé. Je me disais, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui s'est passé là. Et je me disais, mais il faut quand même unir, parce que je sentais déjà aussi, même entre supporters, entre gens, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas d'unité, c'était bizarre, l'ambiance a été bizarre,
Et c'est vraiment dans cet esprit-là. Ce serait cool si ça, si ça marche à moitié. Il n'y a pas que ça. Il y a le terrain, il y a plein de choses. Il y a l'humain dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à côté. Mais c'est vrai que l'état d'esprit de ce truc-là, c'est vraiment ça, quoi. Il faut à un moment donné se dire on aime tous le club et puis basta, quoi. Basta. Et on peut avoir des émotions en N3. Hein. Oui, aussi. Possible. Oui, mais bon. Ce ne sera pas les mêmes. Mais on peut retrouver certaines choses quand même. On peut retrouver certaines choses et certaines valeurs, comme les disent. Mais ne faut pas dire aux gens qu'effectivement, tu supportes ton club de la même façon, peu importe. Quand je dis ça, c'est dans le sens peu importe les divisions. C'est-à-dire que tu aimes toujours ton club de la même manière, mais c'est différent. C'est différent parce que quand tu te bats pour l'élite, tu te bats pour l'élite. Quand tu te bats pour ton honneur, c'est autre chose. Oui. Je suis d'accord. Allez, sur ces belles paroles, messieurs, bonne soirée à tous. On se quitte avec le générique des sociaux. Prochaine émission, c'est lundi, avec à la baguette Charles Merle et l'équipe du Talk. Avec un invité, on aura, c'est sûr, le journaliste Adrien Mathieu qui sera là, fan des Girondins qui viendra. Ce sera l'occasion de faire le point sur les dernières informations et peut-être parler un peu football, puisqu'il y aura eu aussi le match de Trélissac. Donc ça permet quand même, en attendant quoi que ce soit, de parler foot. Allez, merci messieurs, c'était super, un super moment avec vous tous, avec une grosse info en plus au milieu. À bientôt, à lundi, et rendez-vous sur Web Girondin. J'ai vu qu'il y a énormément d'infos qui sont tombées, elles vont arriver. Allez, ciao. Bonne soirée. Bye bye. À bientôt. Bonne soirée. Et allez Bordeaux. Bordeaux. Allez Girondin. Et à samedi à la marche. J'ai oublié. Oui. Samedi. Allez, ciao. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Tossing the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna